Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Salut, salut, salut Hervé. Ouh, il y a déjà du monde, eh ben dis donc. C'est parti, ça y est, c'est le feu. Salut Sylvain, salut Franco, salut Daniel, Hervé, Christophe. J'espère que vous êtes bien installés les amis, que tout va bien pour vous. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Au revoir Christophe. Donc bienvenue hein. Bien malgré le temps déplorable. Ouais bah écoute, chez nous il a fait bon du coup moufette. Voilà. Il a fait super bon. Franchement aujourd'hui, il n'y a pas à se plaindre. Vraiment désolé si c'était la merde pour vous, mais pour nous, honnêtement, c'était super. Salut Fred. Donc bienvenue dans cette édition spéciale, les amis, des lives du journal du Vapoteur. Alors, édition différente. Dans la mesure où vous allez builder avec moi. Donc voilà, je vous ai prévenu il y a une semaine déjà auparavant. Salut Ludovic, sois le bienvenu. Je vous avais prévenu du coup il y a une semaine auparavant, ça lui a dit que j'allais du coup démarrer des live builds, mais cette fois-ci qu'on allait le faire ensemble, qu'on allait s'attendre. Donc j'espère que vous avez préparé votre matos pour ceux qui l'ont. Alors on va procéder d'une certaine manière, vous allez voir. Je laisse tranquillement les gens s'installer, venir tranquille, on va discuter. On va pas tout de suite partir dedans. On va y aller doucement, mais sûrement. Là même on avait un peu trop chaud, hein. C'est clair, c'est fou. Salut Mickaël. Salut Stéphane, bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, soyez les bienvenus les amis. Salut Cyril, j'espère que vous avez passé une très très belle semaine les amis. Moi ça a été super impeccable. La semaine n'est pas finie, mais c'est pas grave. Voilà, on garde le moral, on garde le sourire. Ben écoute, ça va super, franchement. Hein. Salut Anthony, hein, du coup. Salut Jean-François, comment que c'est? Salut Mika, installez-vous les amis confortablement. Prenez une bière, un bout de pizza, je sais pas ce que vous avez sous la main ou votre vape tout simplement. Et on démarre. Je suis triste. Pourquoi Stéphane? Ah non, je refuse de te voir triste. Hein. J'ai un problème handicapé moi. Bah écoute, c'est pas grave. Tu sais, être handicapé, c'est pas un problème. C'est une tare malheureusement. Enfin, quand je dis c'est pas un problème. Il y a pas de. Voilà, il y a une personne comme une autre pour moi. Il y a aucun problème. Eh bien écoute, ça va super en tout cas. Ben écoute, si t'as un problème, c'est pas grave, Stéphane, t'inquiète pas. T'as le droit de rester, regarder sans aucun problème. Il n'y a pas d'interdit aux handicapés, aux juifs, aux métèques, à ce que tu veux ici. C'est open bar, vous pouvez tous venir à partir du moment qu'on se respecte les uns les autres. Tu peux venir, t'es le bienvenu, voilà. Ah merde. Eh ben écoute, vraiment désolé pour toi en tout cas, vraiment. Mais bon, voilà, il faut garder, il faut se booster, faut pas, voilà. Pas partir en mode triste, il faut, voilà, faut se booster, t'inquiète pas. Faut se booster, je sais que c'est facile à dire, mais bon, voilà. Faut continuer de garder le sourire. Il y en a qui ont pire. Enfin voilà, sinon, trêve de bavardage. J'espère que vous allez bien en tout cas. Salut Layashi. Salut les amis. Ben, super bien, la forme, la forme. Donc, comme je vous ai dit, on va faire du build ensemble. Alors, pour ce faire, je vais devoir faire une sorte d'appel. Alors, je vais baisser un peu la musique, j'ai l'impression qu'elle passe presque au-dessus de ma voix. Voilà, hein, tout doucement. Je vais devoir faire une sorte d'appel, hein, tout simplement. Pourquoi? Pour savoir qui va le faire avec moi et qui va pas le faire. Parce que j'aimerais quand même qu'on le fasse ensemble et savoir qui va me suivre et qui va pas me suivre. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est clair, restez positif, voilà. Positiver sa vie et ta vie sera positive, théoriquement. Après, il y a des exceptions quand même, malheureusement. Salut Christian. Du coup là, alors je vais vous demander tout simplement, hein, pour les personnes qui vont builder avec moi, c'est-à-dire qui ont préparé leur matériel. Alors si vous ne savez pas quel matériel préparer là ou quel fil prendre, je vous avais dit de prendre du 28, du 38, du 26, du 36. Mais si vous avez du 26-36 ou du 28-36, c'est pas grave. Ça fera l'affaire, voilà. C'est simplement pour vous expliquer les rudiments et puis on va faire 2-3 petites choses. On va vraiment partir de zéro, c'est-à-dire du plus petit matos. Comment ça, moi j'ai pas encore le matériel, mais je vais participer. Mais c'est pas grave, attention. C'est pas parce que vous n'avez pas le matériel que vous ne pouvez pas participer ou rester. Bien au contraire, vous êtes les bienvenus. Sauf que là, ça va être une sorte, on va dire, de classe de build, voilà. Pour ceux qui veulent vraiment, voilà. Mais écoute, il n'y a pas de souci, t'inquiète, Daniel. Salut Mourad. Donc voilà, n'hésitez hein, pas. Hein. Pour ceux qui vraiment veulent, voilà, n'hésitez pas. Vous mettez simplement le chiffre 1, voilà. Je saurai que vous êtes là avec votre matos et qu'on va pouvoir le démarrer ensemble. Et si ce soir, il n'y a personne, c'est pas grave. Je démarrerai seul. Et je vais vous montrer quelques petites astuces pour démarrer de zéro. Et des petites astuces pour apprendre à claptonner correctement un fil. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec ça, qui n'y arrivent pas, qui font des écarts. Et j'ai 2-3 petites astuces pour eux, justement, s'ils veulent.
Voilà. Salut Fabien, comment vas-tu? Monsieur Kazi, bah écoute, ça va la forme? T'as passé une belle semaine, dis-moi. De toute façon, je t'enregistre. Non, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, ça sera un replay et théoriquement, ça finira sur YouTube, sur la chaîne justement du journal du Vapoteur. Donc voilà, hein. N'hésitez pas, ceux qui veulent me rejoindre, hein, on reste encore 5 petites minutes ensemble, le temps que les gens viennent. Voilà. Ceux qui veulent préparer leur matos peuvent, hein, tout simplement. Donc préparez votre fil, hop, votre petit build si vous avez envie de vous y essayer, tout simplement ce soir. Je vais vous attendre, voilà. Vous mettez simplement le chiffre 1, salut Géraldine. Et puis bah, du coup, voilà, c'est l'anniversaire de Géraldine, il me semble aujourd'hui d'ailleurs. Si vous avez envie de lui faire un petit coucou d'anniversaire, vous pouvez, voilà. C'est toujours gentil. Voilà. Coucou du Schnorr, eh ben coucou de la Lorraine. Hein. Ouais, la forme est au Laurent. Je pète toujours le feu. Toujours le feu. C'est très rare que je fasse la gueule. Donc j'ai tout vous expliqué. J'ai préparé déjà l'overlay pour le logiciel pour vous montrer un petit peu le tableau de gauche je vous ai expliqué la dernière fois. Je vais vous montrer l'importance, on va dire oui et non, du D-Core, c'est-à-dire le fil qui va être en tour-retour, à quel point il n'a pas vraiment d'impact sur le coil, à quel point ça ne va pas changer la valeur. Vous allez voir, hein, je vais utiliser du NI90 et du NI80 si vous voulez pour tester. Vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose vu que c'est le D-Core et tout simplement que le courant va passer par le fil principal et qu'en fait, en gros, ça ne changera pas la valeur sur le fil qu'il y aura autour. Voilà, vous allez voir. Ça a l'air un petit peu bizarre ce que je dis là comme ça ressemble un petit peu à du lard transformé en cochon, comme on dit, mais vous allez voir que vous allez comprendre au moment où je vais vous faire les petits tests. Parce que bien sûr, j'ai prévu des drippers ce soir pour pouvoir faire les montages et tout, et vous montrer tout de A à Z, voilà, tout simplement. Donc on va vraiment démarrer du côté rudimentaire de la chose, voilà. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut s'y essayer avec moi et build en même temps que moi, que je puisse l'attendre et faire les choses ensemble? À savoir que ce soir, on va étudier deux choses. On va commencer par tout simplement vous montrer le plus simple des coils au monde, du twisted. Voilà, on va faire du twisted ensemble, du twisted un petit peu classe, comme on dit. Voilà, ensemble. Et ensuite, on va partir sur du Clapton et du Clapton Fuse. Voilà, c'est les démarrages de ce soir. Semaine prochaine, on attaque l'alien. Voilà, ensemble, justement. On va s'attendre et je vais expliquer de A à Z comment ça fonctionne. Voilà, en gros, pour les petits détails de ce qui va venir. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous ai dit, hein, mettez juste simplement le chiffre 1, je vous reconnaîtrai. Et ensuite, on va pouvoir démarrer de A à Z, justement, toutes les étapes ensemble. Voilà. Si vous avez envie de vous péter tout simplement un petit coil là ce soir. Voilà. C'est offert, c'est cadeau. Je vous montre de A à Z comment faire, vous allez kiffer. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire du matos cool, quoi. Tout simplement. Alors, le temps que les gens répondent ou quoi, sinon, est-ce que vous avez passé une très belle semaine? Si tu utilises du Cantal au lieu du NI80 en faisant le même montage, tu auras la même valeur? Pas du tout. Il faut savoir que le Cantal, c'est le fil qui va t'amener les ohms le plus haut possible. Alors quand on veut ranger un petit peu, ça donne comme ça. Cantal, tu montes en ohms. C'est un fil qui va très haut en ohms. Ensuite, en dessous, tu as le NI80. Voilà. Ensuite, tu as l'NI90 et le SS316L. Dans l'ordre là. Salut Pierre, comment tu vas? Voilà. Alors la différence entre ces fils-là, le Cantal c'est un fil qui est dur, très très dur, donc vachement résistant, hein, quand tu vas essayer de tirer dessus, tu vas voir que c'est limite du fil de barbelé le truc, quand tu as du 26 gauges, c'est un truc de fou. Le Cantal, voilà, lui il est très solide. Le NI80, tu peux bien les tirer, mais il reste encore assez solide, mais tu sens qu'il est un tout petit peu plus mou quand même que le Cantal. Le NI90, il est très malléable, ok, il se détend pas mal quand tu claptonnes, faut faire attention. Et alors le SS316L, c'est du chewing-gum, c'est le fil qui se détend le plus, pour moi. Voilà. Après, bon, moi aussi, je vais la CVD. C'est pas ici, Kenny, c'est pas le bon endroit. Ben écoute, ça va super, ça va super. Alors n'hésitez pas à me poser des questions en même temps que je vais commencer. Hein. Tranquille, hein, les amis. Hein. Je vais commencer tout doucement, je vais vous montrer des petites choses très simples. À faire à la maison si vous avez juste un fil ou deux qui traîne et que vous avez envie de vous y essayer. Voilà. C'est pas quelque chose de super compliqué. Donc on va vraiment partir de zéro. Hein. Alors je vais déjà vous montrer un petit peu ce que je vous avais préparé. Donc au préalable, alors attendez, juste faire comme ça une petite surexposition. Voilà, pour retrouver une petite image fluide. Ça va super Bruno et toi?
Eni 90, fragile au rodage. Ouais, alors l'avantage du Eni 90 par rapport au Eni 80, il y en a beaucoup qui me posaient la question. Le Eni 90 va chauffer plus vite et refroidir plus vite que le Eni 80. En gros, tu vas te retrouver avec une vape un peu plus froide. Par contre, ça descend un peu plus en ohm. Voilà, donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le Eni 90 par rapport au Eni 80. C'est pour ça que en méca, le Eni 90, je l'adore, vraiment. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Donc là, je vous ai préparé du coup un tableau gauge explicatif. Voilà. Donc un tableau type hein, pour vous montrer un petit peu ce que c'est les gauges et ce que ça correspond en millimètres, hein, tout simplement. Hein. À savoir que les fils les plus communément utilisés sont le 26, le 28, voilà. Et peut-être aussi, bien sûr, hein, du 30 pour certaines sections qui sont très petites. Hein. Je pense notamment à des nano aliens ou des choses comme ça, si vous voulez, ou des nano stage raid. Des choses un petit peu vraiment très fines qui iraient plus sur de la vape MTL ou DL, vous voyez, vraiment restrictif quoi. Donc avec du Cantal, tu seras plus proche du 1 ohm et Eni 90 plus proche du 0,5. Et bah, tout dépend du nombre de tours en fait, Ludovic, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Bah là, je vais vous montrer grâce au calculateur. Salut Joe, hola du Nord. Eh ben écoute, un gros bisou de la Lorraine hein, à tous les nordistes. Du coup voilà, je vais vous montrer du coup le calculateur que je vous ai préparé aussi parce que oui, je vous ai tout préparé, je suis un petit peu comme ça, voilà, je voulais vraiment faire les choses bien ce soir pour pouvoir tout vous expliquer et que ça vous parle, on va dire, voilà. Donc là, nous avons donc un logiciel qui s'appelle vape.fr, voilà, logiciel que je vous ai parlé très récemment bien sûr sur le live pour regarder nos vidéos annexes pour le savoir. Et du coup, ce logiciel, on va dire, permet un petit peu de calculer, on va dire, la valeur des coils. Je vais vous montrer, de toute façon, on va le voir ensemble que ça fonctionne, que ça dit pas des conneries. Et vous allez comprendre un petit peu l'utilité et comment ça fonctionne, tout simplement. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est un outil qui est vachement utile, surtout quand vous en servez, en gros, en méca. Pourquoi en méca? Parce qu'on dit toujours qu'en méca, pour ceux qui ne savent pas, comme c'est du courant direct qui va de ton accu à ta tête, il faut pas que tu te gourres dans la valeur de tes ohms, sinon tu as des risques de pouvoir faire dégazer ton accu, et du coup des risques d'explosion ou alors de blessures graves, qui peuvent aller de la blessure la plus mineure à la blessure la plus grave, et après, bon, bah ouais, c'est la vape, c'est de la merde, la vape, c'est dangereux, voilà. Mais comme un pote m'a dit si bien, l'essence et la javel, c'est dangereux, non, c'est pas dangereux, à partir du moment où tu le bois pas, c'est bon, quoi, voilà. C'est ce qu'on dit toujours. Donc voilà, petit proverbe, mais bon, qui fait réfléchir et qui donne quand même l'idée que, voilà, c'est pas tant le produit qui est dangereux, c'est l'utilisateur qui peut se mettre en danger, voilà. Donc voilà, petit tableau explicatif du coup, hein, donc avec le type de fil que vous allez être amené à utiliser, en l'occurrence, nous, on va partir sur du NI80, voilà. Donc à partir du moment où on nous explique, on va dire, l'alliage NI80, on va nous demander la largeur. Et la largeur, elle influe en quoi? Sur, justement, le tableau de gauge que je vous ai montré juste avant. Regardez bien. Voilà. Voilà. Donc, on va démarrer très simplement. Je vais partir sur un truc classique que j'appelle le fameux 3x28. Mais bon, comme je suis un petit peu, on va dire, un petit gourmand, on va faire du 4 ou du 5x28. Alors, on va dire, je vais partir sur du 5x28, soit une valeur de 0,32 ohms. 0,32 mm, pardon. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? On va faire 5 fils de 0,32. D'accord? Je vais vous montrer du coup comment on peut fonctionner avec le calculateur. Voilà. Et c'est là que vous devez bien vous mettre une chose en tête, les amis. Peu importe ce que vous allez claptonner autour, voilà, ça ne changera pas votre valeur finale de votre coil. Le logiciel s'occupe, et d'ailleurs la box et votre vape. Ce qui importe, c'est les âmes qui sont au milieu. Voilà. Les âmes qui sont au milieu sont les éléments principaux. Pour le 80 et 90, tu sélectionnes le même? Non. Je suis en train de rechercher justement un logiciel qui permet de calculer le NI 90. Effectivement. Parce que j'ai pas encore trouvé justement. Salut Christian. Je vais retirer ça. Ah bah super, félicitations Christian. Super. Franchement, félicitations. Alors on avait dit qu'on allait partir sur du 5x28. Le 5x28, c'est du 0,32. Donc on avait dit 0,32. Je vais mettre à 0,32 ohms et je vais vous montrer. Voilà. Donc on se met à 0,32. Hop, voilà. Coil diamètre, je vais rester sur un diamètre standard 3 mm. Pourquoi? Parce que 3 mm, ça va super bien. Voilà. 3 mm, c'est en général le diamètre standard de la plupart des atos. Donc hop, on va se mettre sur du 3. Et vous allez voir que l'importance de ceci là, le coefficient de chauffe, est vraiment important. Restez toujours dans la plage verte pour avoir une vape, on va dire, savoureuse, lisse et classe. Voilà. Si vous êtes dans la zone rouge, c'est-à-dire comme ça, si j'augmente comme ça, bah, peut-être pas sur le nombre de tours,
Sur le diamètre, ça ira pas, mais sur le nombre de tours, ça le devrait. Voilà. Si je me mets dans la plage rouge avec les ohms très hauts, je vais avoir une vape purement diesel. C'est-à-dire, je ne sentirai rien. Ça va mettre 3 quarts d'heure à démarrer. Ça va être horrible. D'accord? À l'instar, si je viens retirer des tours et que je suis dans la plage rouge minimum, voilà. Là, ça risque d'être très réactif. Voilà. Ça risque de brûler en gros. Voilà. Là, vous avez vu, on est sur un fil simple. Voilà, on n'est pas sur 5 pour l'instant. D'accord? Donc, je vais rester sur un nombre de tours standard, on va dire 6 tours. Voilà. Alors, le seul défaut de ce logiciel, et c'est pour ça que je vous l'explique quand même, c'est que ce logiciel, il faut mettre 7 tours pour avoir 6, 8 tours pour avoir 7. C'est le seul défaut. Voilà. Vous allez comprendre très vite. Donc, je veux 6 tours, donc je me mets à 7. Voilà. Les coils pattes en millimètres, je touche à rien, je le laisse comme c'est. Je ne touche jamais cette valeur, moi, personnellement. Voilà. La tension en volts. Alors, la tension en volts, que vous soyez en électro ou en méca simple, c'est 4,20. Voilà. Ne mettez en 8,40 ou alors en 16 volts ou quoi, seulement quand vous êtes en stacked, c'est-à-dire en série. Voilà. En stacked, je me mettrai à 8,40. Voilà. Et à 8,40, je vais très vite voir que, voilà, il y a de quoi être. Voilà. Déjà, un simple fil à 8 volts 40, c'est même pas la peine. T'oublies, ça te pète à la gueule. Donc, je vais rester à 4,20. D'accord? Ça ne bouge pas, c'est que pour l'électro ou alors le méca simple. D'accord? Je le répète. Voilà. Donc 4,20. Nombre de coils, eh ben, comme je vous l'ai dit, on va le faire par paire parce que j'ai deux jambes. Voilà. Et nombre de fils, je vais en mettre 5. Donc on va voir ce qu'on va avoir comme valeur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc à 5 fils, donc de 28 gauges en 3 mm, si je fais 6 tours, je suis à 0,11 ohms. Alors, ça fluctue, ça peut être 0,11, 0,12 ou 0,10. Voilà. En général, ça va plus vers la valeur au-dessus. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, 0,11, ça va quand j'utilise. Alors, attention, quand je dis ça va, triangle rouge, hein, bien sûr. 0,12, c'est le minimum pour les VTC 5A, les Samsung 20S. Voilà. Ne pas aller en dessous. Voilà. Donc, par prudence, ce que je vais faire, je vais simplement enlever un tour. Voilà. Même pas. Ouais, en enlevant. Ah oui, je suis con. Si j'enlève des tours, je vais descendre forcément. Je vais rajouter un tour, pardon. Je vais mettre à 7 tours. Voilà. Ok? Tout simplement. Et si besoin, je peux monter ou descendre le diamètre selon mon besoin pour raccourcir et retomber dans ma plage verte. Vous voyez, à 2,5, je peux. Je serai dans un coefficient de chauffe parfait. Voilà. Mais en me mettant à 3 mm, je suis un petit peu dans le rouge. Voilà. Mais c'est pas vraiment, vraiment gênant. Je pense que je vais rester quand même à 6 tours parce que je veux rester dans un coef de chauffe parfait. Vous allez voir. Donc, vous avez bien vu, les amis, hein? 0,32. Salut, Mickaël. Donc, un fil de 28 gauges en 0,32, 6 tours, d'accord? Diamètre 3 mm, 5 fils, voilà. Deux coils, on a une valeur de 0,11 ohms. Retenez bien ces valeurs-là, je les laisse de toute façon sur la page. On va vérifier ensemble si c'est vrai, voilà. J'espère que tu vas bien, Mickaël, sois le bienvenu. Et d'ailleurs, soyez les bienvenus à ceux qui viennent d'arriver, voilà. Hein. Du coup, petit cours très pratique de A jusqu'à Z pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va passer sur la partie build, hein. On va quand même démarrer le petit truc, hein, très sympa. Hein. On va se mettre 5 petits fils ensemble, donc de 28. Alors, hop, du 28 standard, hein, on se prend pas la tête, hein. On va pas partir sur du... Pour du Samsung 30T, pareil, reste toujours sur une valeur de 0,12 ohms en mono. Si tu es sur du stacked, théoriquement, tu pourrais descendre jusqu'à 0,24, voilà, ohms. Mais je te le déconseille parce que ton coton, il cramera en 2 secondes. Voilà. Mais avec des 30T, sachez-le, vous pouvez descendre jusqu'à 0,12 ohms. Voilà. Alors, je vais me couper 5 fils comme ça. On va voir ensemble ce que ça va donner. Et on va les twister. On va apprendre à faire du twisted ensemble. Voilà. Un fil très simple et pourtant qui fonctionne super bien. Vous allez voir à quel point ça peut être beau de mettre 5 fils ensemble. Voilà. C'est un fil qui n'est pas très compliqué à faire. C'est simple. Ça va tout seul. Voilà. Ça, c'est pour les gens vraiment qui sont... un petit peu embêté pour on va dire le clapton, parce que ouais, je suis emmerdé, ça va pas, pour du double 30T. Alors, comme j'ai dit, pour du double 30T, c'est pas parce que tu as deux accus de 30T que tu peux descendre plus bas. En tout cas en électro, ça change rien du tout à ta valeur. En électro, tu peux être à 0,08 ohms, ça change rien. Par contre, en méca, quand tu es en double, c'est-à-dire en série, en stacked, c'est 0,3. Moi, je conseille 0,36 honnêtement. 0,32 à 36, pas en dessous parce que ça brûle vraiment trop. Ne le faites pas, ça, vous allez gâcher votre coton, vous allez gâcher votre montage. Vraiment, moi c'est... Voilà. Tu es tout seul à builder? Ben écoute, il paraît, voilà. Hein, j'avais proposé aux gens de le faire ensemble, mais bon, personne ne veut s'y essayer. Du coup, bah ben oui, je suis tout seul.
Donc je démarre la première session seul, à savoir que la semaine prochaine, on démarrera ensemble de l'Alien. Donc ça, c'est, j'avais laissé une semaine aux gens, hein, j'ai posté. Voilà. Après, les gens venaient ou venaient pas, c'est pas grave. Ça m'empêche pas, les amis, de vous montrer tout doucement, hein, tranquille, en discutant avec vous. Pour voir ce qu'il en est. Comme on dit, des infos, je les ai eues gratuitement, hein, en regardant des gens. Et puis, ben, moi, je les transmets gratuitement, ça me fait plaisir. Et ça me permet de passer du temps avec vous. Et ça, c'est vraiment tout ce qui compte, quoi. Donc, je vais tendre mes 5 fils, tranquille. En même temps que je discute avec vous, je taille le bout gras, comme on dit. Hop. On entend, hein. Et je vais faire ça 5 fois. Alors pourquoi je tends mes fils? Parce que quand vous allez twister vos fils, si vous ne tendez pas vos fils correctement, ça va vous faire des sacs de nœuds, ce qu'on appelle des sacs de nœuds, et c'est un peu dégueulasse. Vraiment, vous allez voir que c'est dégueulasse. C'est pas beau à voir quoi quand vous le faites. Ah mince, j'aurais eu le matos, je l'aurais fait en même temps avec toi. Ah, bah écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que les gens voient ce que je fais. Hop, doucement. On est ensemble, on va monter un petit peu la luminosité, voilà, histoire que vous puissiez un peu voir. Sans trop saturer, ce serait pas mal. Voilà. Hop. Je comprends tout à fait, les amis. Vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas le matériel ou quoi, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ne voulaient pas le faire, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on va attaquer de l'alien. Là, vous avez intérêt à préparer votre matos. On le fera ensemble. Je vous attendrai, les amis. Ah, bah, décidément. Bon, bah, ça va, j'ai réussi à faire l'âme. Hop. Donc, deux. On va faire un troisième. Hop. Allez, lâche-moi. Et on va faire du coup un twisted 5 fils. Voilà. Très simplement, hein, un build vraiment classique. Et vous allez voir ce que je sais faire et d'autres, mais vont toujours bien apprendre de découvrir des nouvelles choses. Voilà. Après, j'ai vu des twisted qui étaient très très mal roulés. Après, c'est pas grave, c'est pas une critique quand je dis très très mal roulé. Je critique, mais il faut jamais que vous preniez mal les critiques. Elles sont toujours constructives. Hein. Voilà. Y a pas de mauvaise critique chez moi. Je ne serai jamais un gars qui va dire ouais, t'as fait de la grosse merde ou un truc comme ça. Et il faut jamais que vous le pensiez, hein, parce qu'on a tous démarré, comme on dit. Hein. Et on n'a certainement pas démarré en réussissant tout d'un coup. Hein. Voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour, franchement. Prenez votre temps et je vous montre comment je fais. Voilà, je prépare tranquillement mes fils. Regardez, je prends mon temps tranquillement avec vous. Et on va se faire un putain de plaisir de les monter après. J'aime bien faire mon zipper coil. Alors là, c'est pas pour du zipper, hein, parce que le zipper coil, bon, bah, y a suffisamment de tutos. C'est vraiment dans un esprit général de montrer comment faire un bon twisted tranquillement sans se prendre la tête. Voilà. Mes 5 fils sont tendus, c'est parti. Hop. Alors pour, il y a plusieurs méthodes pour tenir les fils ensemble. Voilà. Je vais vous montrer lesquelles. Il y a la méthode de la colle chaude. Donc c'est simple. Vous venez prendre vos fils comme ceci. Voilà. Toute votre bobine de fil. Je vais vous la montrer. Vous allez voir. Voilà. Vous prenez tout au fil comme ça. Vous mettez un coup de colle chaude dessus. Voilà. Vous faites fondre un coup de colle chaude. Vous coupez l'embout et vous mettez le tout dans le touret. C'est la meilleure méthode si vous voulez que tous vos fils tiennent, parce que si vous essayez d'en mettre deux d'un côté, deux de l'autre et un tout seul, celui qui est tout seul va forcément casser, il va pas tenir. Voilà. Si vous n'avez pas de colle chaude, il y a la méthode du fil, tout simplement. Hein. Alors j'en ai fait combien? J'en ai fait 4 là. 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manque un. J'ai oublié d'en faire un, pardon. Autant pour moi. Voilà, vous allez voir. Hein. La méthode du fil est très simple aussi. C'est pour ceux qui ont justement pas de colle chaude, hein, et qui n'ont rien sous la main à part du fil, eh ben on peut quand même se dépatouiller avec du fil, vous allez voir. Ça s'appelle la méthode de l'enroulement, comme je dis. Voilà. On va faire comme si on clapetonnait ensemble. Ce qui va créer justement un effet de serrage sur les fils entre eux. Voilà. Tous mes fils sont prêts. Hop, regardez maintenant. Sinon, tu donnes des cours particuliers? Ben, c'est ce que je donne là, Ludo. C'est exactement ce que je fais là. Je fais un cours particulier, mais à plusieurs. Tranquillement ensemble. Donc voilà. Là, j'ai tous mes fils. Hein, vous allez pouvoir voir. Hop. Donc, mes fils sont ensemble.
Voilà, focus. J'ai tous mes fils ensemble. Alors, je vous ai dit, première méthode, les coller ensemble. Si on n'a pas de colle, c'est pas grave. Vous les faites tenir ensemble comme ça. Voilà. Hein. Comme ça. Hop. Donc, je vais un petit peu avancer. Voilà. Ma cam comme ça. Voilà, c'est plus simple. Donc, vous les tenez ensemble comme ça si vous n'avez pas de colle. Voilà. Très simplement. Voilà. Vous vous munissez d'un bout de fil. Alors, en l'occurrence, je vais me couper une petite section de 36. Alors, quand j'arrive à choper le fil, il est là. Voilà. Regardez, hein, je prends un petit bout de fil de 36. Je vais pas m'embêter. Hop. Voilà. Je prends tous mes fils ensemble. Je m'embête pas. Je les mets au bout. Je fais attention de ne pas les tordre. Hein. Salut mon joujou. Salut le dav-dav. C'est pas grave, t'inquiète. Voilà. Alors, le seul fil d'entraînement que je vous conseille d'utiliser, si vous voulez pas vous galérer, prenez du fil de chez Wish ou voilà quoi. Mais vous amusez pas sur Mecha avec par contre. Regardez, hein. On fait la technique là, vous allez voir, ça va tout seul. Donc je le tiens, regardez, hop. Et je viens simplement enrouler toutes mes armes ensemble. Plusieurs fois, je fais plusieurs tours, regardez, hein. Tranquillement. Voilà. Regardez. On enroule, on enroule, on enroule. Plusieurs fois, hein. Vous tournez autour, hein. Vous faites vraiment voilà. Un bloc solide. Vous venez bien serrer votre fil que les fils se barrent pas. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement couper derrière. Voilà. Et couper mon fil. Voilà. Et vous devriez obtenir, si vous avez bien fait votre coup, vous devriez obtenir ceci. Tout simplement. Au moins là, vous êtes sûr que quand vous allez le serrer dans le mandrin, vos fils seront bien tenus ensemble. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Et une fois que tout est fait, on vient prendre le tout et on vient coincer le tout dans son mandrin. Et vous êtes sûr aussi en même temps de centrer votre fil correctement. Ça, c'est important. Voilà. Donc maintenant, je suis tranquille. Je sais que comme je vais serrer, ça ira. Hop là. Je serre le tout. Et là, je suis sûr que vu la boule que j'ai fait, mes fils vont pas se barrer. Voilà. Alors, je l'ai dit au début de la vidéo. Là, nous faisons. Je vous montre hein, comme sur le calculateur. Hein. Hop. Regardez, j'ai mon calculateur qui est là. Je fais du 0,32, donc du 26 gauge en nichrome. Je suis sur du 5 fils. Vous avez vu en bas. 5 fils de. 32, de 28 gauge en 0,32. Voilà, on va les twister ensemble et ça sera un dual coil et on devrait tomber une valeur de 0,11 ohms pour 6 tours. Je vous expliquer que, comme je vous ai dit, à cet endroit-là, alors là, si je suis à 7, c'est 6 tours en fait. C'est le seul bug de ce jeu du logiciel sur internet. Il faut vous mettre à 7 pour avoir 6. Il faut mettre un tour de plus pour être à la valeur réelle. Voilà, c'est le seul petit hic, c'est tout. Alors, c'est du le fil autour, c'est juste pour le maintenir. Voilà, ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas de colle chaude. Voilà. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a de la colle chaude ou qui veut s'amuser à les coller. Alors, c'est une petite technique alternative pour les tenir ensemble. Comme je vous ai dit, je vais tout vous dire. Je vais vraiment vous donner toutes les petites astuces que je connais pour pouvoir build correctement. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, le but, les amis, voilà. Le but, il est là. Si vous voulez faire du twisted. Alors là, pour le coup, je vais pas avoir besoin de mon roulement, donc je vais venir. Hein. Hop. Voilà. Le roulement va me servir à que dalle, clairement. Hein. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Le but, c'est de tendre un maximum votre fil comme ça. Voilà. Vos fils, regardez. Hein. Je les tends du début à la fin au maximum bien propre. Voilà. Je viens prendre avec ma pince comme ça. Et je viens faire juste ça. Vous avez vu? J'ai fait un. Je l'ai simplement bien pincé et tordu pour que tout soit ensemble. Voilà. Là, je suis sûr que tous mes fils sont bien. Et maintenant, ce que je viens faire tout simplement, je vais mettre en route la visseuse ou le tour, parce que vous pouvez le faire également à la visseuse. Et là, en même temps que je mets en route, voilà, tout simplement, que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Salut Cyril!
Voilà, je viens, je laisse mon fil, je tends bien, vous tirez bien dessus. Hein. Voilà. Et je laisse mon fil me ramener vers l'avant tout doucement. Alors là, vous ne le voyez pas, mais ça me tire tout doucement. Voilà. Et selon la beauté de votre fil, vous lâchez. Alors ça, c'est ce que je vous expliquais. Regardez, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que ça, c'est dégueulasse. C'est ce que je vous expliquais quand vous tendez mal votre fil. C'est ce qui m'est arrivé là. Parce qu'il y a un fil qui s'est détendu. Voilà. Donc ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. On est en live, c'est tout à fait normal. Regardez ce qui se passe si vous l'avez mal fait. Il y a une sorte de petit nœud qui vient se faire juste ici. Voilà. Hein. Très léger. Hein. Et ça, c'est dégueulasse quand vous allez monter vos cols, ça va se voir. Voilà. Normalement, ça devrait être comme ça partout, comme c'est juste là. Et comme c'est là. Voilà. Ça, c'est moche, ça. C'est pas beau. Voilà. Mais on s'en fout de la beauté, honnêtement. Là, je m'en fous, hein, parce que je veux dire, j'ai pas la pince adéquate. J'aurais dû prendre normalement la vraie pince. Je l'ai pas, c'est pas grave. Mais on va quand même les monter comme c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer la valeur finale, ce que ça donne et si ça va surtout. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que ça va fonctionner? Eh ben, on va le savoir ensemble. Hein. On va se faire un petit montage. Alors, j'ai prévu la box. Pour, bien sûr, hein, parce que je suis pas comme ça. Hop là. Alors, je vais les rouler, bien sûr. On avait dit quoi? On avait dit 6 tours, les amis. Hein. D'accord? En diamètre 3 mm. Donc, je vais me munir de mon petit outil qui est là. Hop. Pour les rouler en 3 mm, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais quand même lever la cam, histoire que vous puissiez voir ce que je fais. On va rester à une hauteur à peu près comme ça. Voilà. Que lorsque je roule, vous puissiez regarder ce que je fais. Donc là, je suis bien sur les 3 mm. Et on va faire 6 tours, on a dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Voilà. Donc quand j'ai fait 6 tours, ce que je fais, vous avez vu, le fil est un peu dégueulasse. Il est revenu un peu en arrière. C'est pas grave. Vous faites comme ceci. 6 tours, vous venez bien le tendre et vous n'hésitez pas à faire un 7e. Pourquoi? Parce que quand vous allez lâcher, regardez, ça revient tout doucement. Vous avez vu? Voilà. Et là, pareil. J'ai mon petit écarqué là. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Voilà, regardez, j'ai mon petit écarqué là. Alors, je vais le défaire, mon petit écart. Je le reprends. Voilà. Je viens appuyer avec mon index dessus. Et j'hésite pas à refaire un tour de plus, c'est pas grave. Voilà. Parce que quand je vais détendre, donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Je dois effectivement enlever un tour et là, je peux enlever mon tour proprement et ça va rester serré. Regardez, vous avez vu? C'est proprement serré. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Quand vous voulez le rouler en tout cas. Voilà. Donc je vais faire ça 2 fois. Je vais vous remontrer un petit peu comment je fais. Hein, pour, si j'ai été trop vite, vous me le dites. Hein. J'y vais tranquillement, on a le temps les amis. Regardez, je me positionne comme ceci. Voilà, je tiens avec mon pouce très fortement. Et regardez, là je viens tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Voilà, donc là j'ai 6 tours. Mais je viens refaire un 7e tour. Voilà. Hein. Allez, en forçant bien avec le doigt, je tiens bien avec l'index là. Et là je force comme ceci, regardez. C'est quand je vais lâcher, vous lâchez tout doucement. Regardez. Hop. Regardez l'effet de ressort que ça fait. Vous avez vu? J'ai mes 6 tours tout propre. Voilà. J'ai pas eu besoin de beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tour de plus. Voilà. C'est une petite technique si vous voulez garder vos fils bien droits. Vous rajoutez un petit truc en plus. Alors la pince que vous devez utiliser pour faire ça, normalement ça s'appelle une pince nylon. Voilà. N-Y-L-O-N pour ceux qui veulent savoir. Parce que il y a des personnes qui ne savent pas, très simplement. C'est pas de la moquerie. Voilà. Donc c'est une pince nylon. Voilà. Et là, mes 2 cols sont prêts. Tout simplement. Vous avez vu? C'est pas bien compliqué. C'est une petite astuce tranquille comme ça, au calme, que je vous donne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais je le savais et tout. » Ouais, mais mec, tu vois, toi, tu le savais, mais d'autres ne le savaient pas. Voilà. Donc, je préfère le montrer tranquille. Alors, ce qu'on va faire, étant donné que c'est du 6 tours, alors je vais regarder quand même un truc. Ouais, ça rentre dans mon cali. Voilà. On va se mettre ça dans le cali V2. Vous avez vu les cols que je vais enlever? Ouais, j'essaie. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer que sur Mecha, ça fonctionne bien. On va tester sur Mecha. Voilà. Donc, c'est très simple. Bon, bah, si je roule à 130 watts, ben, je vais mourir, je vais exploser les cols. Donc, on va descendre. Hein. On va descendre. Hop.
quand même. Alors attention, là je prends la. J'ai pas forcément pris la bonne box, j'aurais dû prendre une autre, c'est pas grave. Mais la Odin a des petites différences de valeur au niveau des ohms. Voilà, je vous donne son petit défaut, je l'ai trouvé et puis bah ça fait longtemps que je le vois. Hein. Il y a une petite différence de 0,02 ou 0,03. Si vous me croyez pas, faites le test. Prenez votre Odin et deux autres box. Vous allez voir que les deux autres box vont être bien coordonnées ensemble. La Odin va vous donner une valeur différente. Voilà. Donc je vais mettre à combien? Bah, je vais mettre à 30 watts, tranquille, même pas. Je vais mettre à aller à 20 watts. Parce que c'est du petit fil, hein. C'est pas, on n'est pas sur du. Voilà. Même s'il y a 5 fils, ils ont quand même été salement torsadés ensemble. Et j'ai pas envie de les péter ou qu'il y ait quelque chose, d'accord? Donc on va faire ce qu'il faut. Hop. Oh la vache. Hop, je vais m'équiper de ma petite clé qui va bien pour démonter tout ça. Donc c'est bien celle-ci. Hop là. Salut Céline. Eh ben écoute, ça va super et ta copine, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Donc on va démonter les coils de là et on va installer du coup le twisted qu'on s'est fait à l'instant. Et je vais vous montrer à quel point ça fonctionne et ensuite on va passer à l'étape suivante. Voilà. Alors si salut MHD Vap, comment que c'est? Si possible, par mesure de précaution, éteignez la box quand même. Pour éviter, parce que j'ai déjà vu en mettant des coils, je sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi j'ai déjà vu des étincelles en même temps que je mettais mes coils. Alors je pense que c'est normal quand même, hein, parce que la box détecte la valeur et forcément le courant y passe quoi, je veux dire. Donc voilà, par mesure de précaution, pas de précaution. éteignez les box, c'est toujours bien. Alors où est-ce que j'ai foutu mon autre coil? Parce que putain je viens d'enrouler un, mais alors j'ai foutu l'autre. Où? Il est là. Voilà. Hop. Alors pour les pattes, hein, je vais partir sur du classique, hein, comme d'hab. Moi je laisse toujours à peu près 5 ou 6 mm. Voilà. Oh putain, j'ai failli tuer la télé. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Wow, là j'ai failli tuer l'écran. Donc voilà, hop. Donc du 5-6 mm, hein, regardez, hein, je vous montre, c'est toujours bien en place. Je vais juste me permettre de redresser une patte. Comme ceci. Hop, ça vous le faites avec la pince nylon. Voilà. Hein. Premier live avec vous. Ah, salut Arnaud. Je t'en prie, tutoie-moi. Dis pas vous. Hein. Ou alors tu parles des vapoteaux, j'espère. Je suis pas un vieux. Donc voilà. Regarde. Hop. Hop. Je viens couper les pattes parce que je veux vraiment laisser du 5 mm, hein, 5-6 mm, pas plus. Ça ne sert à rien plus. Hein. Voilà. Je me mets ça en place. Tout doucement. Dedans. Hop. Donc, on vient mettre les deux. Et je viens serrer le tout. Voilà. Gardez votre axe quand vous faites des twistels parce qu'ils ont vraiment tendance à se déformer lorsque vous allez serrer vos vis. Ça aussi, faites gaffe les gars. Voilà. Hop, on vient redresser le tout. Par devant comme ça. Voilà. Très simplement, hein. Voilà, on aligne propre au mieux, hein, au mieux qu'on peut. Et ensuite, eh ben, je vais installer le deuxième. Comme il se doit. Voilà, hop. Ça va bien, merci. Sois également la bienvenue. Installe-toi confortablement. Hop, on va monter le deuxième. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Je vous montre. Hein. Voilà. Et on serre l'autre. En n'oublierons pas le guide. Enfin, la petite barre à 3 mm pour pas le déformer. Hop. Alors n'hésitez pas les amis, quand vous faites des petits montages comme ça, vous pouvez m'envoyer des photos de vos montages, hein, de ce que vous avez fabriqué. Hein. Moi honnêtement, ça me fait super plaisir, comme je vous l'ai dit, je le répète, hein, de voir ce que vous faites. Voilà. Ne vous sentez pas humilié ou en mode ouais, ce que je fais c'est de la merde, je devrais pas lui envoyer. Au contraire, envoyez-moi. Il n'y a aucun problème, moi ça me fait super plaisir. Alors comme je vous ai dit, hein, là j'ai fait de la merde, ils ont mal été. J'ai vraiment fait de la grosse merde. Là je m'en rends compte. Je vois, et là vous allez vous en rendre compte un peu. Ça c'est quand simplement vous n'avez pas les fils, les 5 fils tendus exactement de la même façon. Mais bon, j'ai une pince de merde en même temps. Regardez avec la pince que je travaille. Ça c'est la pince que tu reçois au Lidl. Voilà. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ça m'a l'air un petit peu bas là. On va descendre un petit peu le tout. Hop. Qu'est-ce que ça dit là? Oh, c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Un petit redressement s'impose. Parce que c'est pas très droit par rapport au plateau. Alors attendez, je vous fais un autofocus histoire que vous puissiez jouir au moins de la vue.
Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit que c'est pas mal, hein, franchement, qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, c'est pas grave, Christian. Au moins, tu me regardes, c'est cool. Ça te change les idées, tu vois. T'as un petit programme au moins pour te changer les idées. Alors, je vais vous montrer de près, vous allez voir. Là, vous trouvez que c'est beau. Mais regardez de près, vous allez voir que c'est un petit peu dégueulasse. Voilà, alors je sais pas si on voit bien. Alors, j'arrive. Ouais, on voit qu'il y a un tout petit défaut sur le fil quand même. Hein. Voilà. Ça vous paraît beau, mais moi, c'est pour moi, c'est dégueulasse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment horrible. Donc voilà ce que ça donne de près. Là, on a 5 fils du coup twistés ensemble. Voilà. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, mais t'exagères, c'est beau. Non, non. On voit un petit peu quand même un défaut. Hein. On voit le défaut. Voilà. Moi, j'aime bien que ça soit le plus droit possible et le plus propre possible. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, honnêtement. Bah, le mieux, honnêtement, je pense que le mieux, ouais, c'est quand même qu'il soit à la même hauteur. C'est plus, comment dire, esthétique. Voilà. C'est dans un cadre d'esthétisme, vraiment. Tu vois, t'as toujours quand même une certaine satisfaction quand t'as monté ton ato, de dire, putain, tout est droit, c'est propre, c'est. Tu vois, c'est carré, je fais les choses bien, je veux que ça fonctionne, je veux, tu vois. C'est plus dans ce souci-là. Hein. Après, tu fais pas le psychopathe non plus. Si tu vois que c'est un peu tordu et que tu n'arrives pas à régler la situation, ça va fonctionner aussi. Mais c'est juste que quand tu vas le montrer au pote, le gars il va te regarder, il va te dire ouais, tu aurais pu un peu les centrer ou quoi, tu vois. Il y a toujours ce genre de personnes-là. C'est pour ça vraiment que voilà, je m'applique au maximum, quoi. Donc pour l'instant, les amis, hein, alors sur le truc qui nous avait dit 0,11 ohm, là on est à 0,13 ohm. Hein, d'accord? Je vous avais dit que la box elle avait quelques petits écarts. On va voir ce que ça donne. Donc petit rodage, hein, j'appuie très légèrement sur la box. Et d'ailleurs, on va voir de près ce que ça donne. Voilà. On va voir la petite. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Parce que là, ça fait trop dégueulasse. Voilà. Plutôt faire ça. Et ça. Voilà. C'est plus propre comme ça, ouais. Vous allez voir la chose. Mais écoute, ça va super. Et toi, Steve? Sois le bienvenu. Alors, regardez, hein. Doucement, hein, j'appuie. Hein. On y va à tâtons. On se prend pas la tête. Je vais quand même prendre ma petite masse céramique histoire de. Hop. Allez, hein. Un petit 20 watts. Hein. Là, on voit pas de différence. Je vais quand même me mettre. On attend la gougoutte avec impatience. Je vais me mettre à 30 watts. Voilà. Histoire que ça réagisse un peu plus vite. Parce que là, c'est trop lent à mon goût. Hop. On voit ce que ça donne. Vous avez vu, ça commence à rougir tout doucement. Hop, on gratte très légèrement. Hein. Voilà. Ça commence à démarrer. Voilà, très légèrement. On va se mettre à 50 parce que je suis un bourrin de la casse et j'ai envie que ça avance. Ouais, je le sais déjà, ouais. Ouais, je sais, ouais, je sais que c'est loin d'être la seule. Mais bon, je tiens à le préciser parce que s'il y a un écart, on va me dire « Ouais, t'as vu, c'est pas la valeur que t'as dit et tout, hein, te rends compte, j'hallucine sur la connacité de tes dires. » Enfin voilà quoi, je préfère éviter tout de suite les bandes de trollers qui vont arriver en mode « Ah, t'as vu, tu dis de la merde. » Voilà. Hop. On va faire rougir un peu. Alors le mieux, c'est qu'on se mette dans le noir pour se rendre compte un petit peu à quel point ça puisse pas mal marcher. Voilà. Et surtout pour éliminer les points chauds, c'est pas mal de se mettre dans le noir. Voilà. Donc là, on voit bien hein, qu'on a une réactivité correcte. Les fils s'allument correctement bien d'un bout à l'autre. Voilà. J'ai zéro problème. Hein. On reteste, hein, on rallume pour voir. Bon, il y en a un qui s'allume un peu vite. On va le refroidir un petit peu. Hop. Voilà, on reteste. Hein. Pas très bon, toi. Encore un peu. Voilà. Voilà, là, on est parfait. Hein. C'est une bonne chauffe. Ouais, ça, je le sais déjà. Ouais, t'inquiète.
Merde. Je vois un fil qui est seul. J'ai mis 5 fils ou 4? Je sais plus maintenant. Maintenant, j'ai un doute. Ah, attendez, je mets en plein écran le temps de refroidir, vous inquiétez pas, je ne touche pas la valeur, je ne triche pas. Bah là non, là c'est bon, là ils sont synchro. Là je vais juste refroidir, dévisser, revisser pour voir ma valeur quand même. Parce que là j'ai un doute, mais non, 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 c'est bon. Je suis à... Oh, il y a un sous-sol là. Ah, quel... Attends. Merde. C'est du 26 que j'ai pris. Ah, quel con, c'est du 26. C'est pas du 28 que j'ai pris, c'est du... Quel couillon. Je me disais que c'était dur. J'ai pris du 26, pas du 28. Bon, c'est pas grave, ça arrive là. Donc, on va se remettre sur notre tableau, du coup, hein. Alors. Hop. Alors, attendez, 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 attendez. Non, c'est du 26 ou du 28. Essayez, je sais plus. J'ai un trou, les amis. J'ai un trou. Alors, attendez, on va aller sur le calculateur. Alors, hop, le 26, de toute façon, c'est du 0,40, on le sait. Calculateur. On va voir ça ensemble. J'ai un petit doute, là. Hop. Donc, du 6 tours, 5 fils. Si j'étais à 0,40, non, ça serait pire. Non, c'est bien du 28. Alors, j'ai un petit souci parce que je suis à 0,17. Alors c'est étonnant parce qu'on m'avait annoncé 0,11. Ou alors ils ont remis à jour leur site peut-être? Parce que je suis bien sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Alors attendez, ils ont peut-être remis à jour leur truc. C'est bizarre ça. Je suis bien sur du 3 mm. Alors je revérifie, ouais. 3 mm. Ah non, je sais c'est quoi la couille. Le fil c'est un peu détendu, ça passe dans le 4. Regardez. Voilà. 6 tours. 6 tours, c'est là. Ouais, c'est juste. C'est juste. Regardez, je vous montre, hein, vous allez voir. Je deviens gâteux. Non, 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 non. Non, c'est pas du 26, hein, c'est du 28, hein, que j'ai pris. Là, je sais plus, mais non, non, c'est du 26, c'est pas possible. Putain, vous me foutez le doute maintenant. Non, ça peut pas être du 26. Je serai encore plus bas en home. C'était bien du 28. Non, non, j'ai pris 5 fils de 28, je suis sûr. Je suis sûr de moi, j'ai foutu la bobine. Je ne sais plus où. Je sais plus maintenant. Vous m'avez mis le doute. Je vais changer de box parce que cette box-là, elle indique que de la merde. Vous avez vu, hein, quand je vous ai dit qu'elle ne donne pas les bonnes valeurs, voilà. Je vais prendre la Pico S. Elle dit la vérité, elle. C'est une box universelle. Voilà, hop. Donc, on va se remettre sur le mode build et je vais vous montrer. On va regarder ensemble. Je veux aucun doute sur ce que je viens de faire. Donc hop, on reprend depuis le début. Et je crois que j'ai twisté que 4 fils, il me semble, ouais, parce que regardez, j'ai un fil qui traîne là, que je m'étais coupé. Ah, 0,14. Non, c'est juste, 6 tours, 0,14. Regardez, je vous montre, c'est du 4 mm, les coils ont grandi. Non, non, c'est juste, regardez. Regardez. Je passe mon 4 mm dedans. Regardez. Je le passe dedans mon 4 mm si je force. C'est plus du 3, c'est devenu du 4. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est pour ça. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Donc c'est juste, ma valeur est juste. 0,14 ohm, voilà. Annoncé. Et sur le calculateur, on est à 0,14. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, là on est sûr qu'on est bien, voilà. Je suis bien sur du 6 tours et j'ai fait du diamètre 4 mm, ça a grossi vraiment. J'ai, par rapport à un coil normal, ouais, je vais vous le montrer en vidéo, vous allez voir, pour ceux qui doutent. Parce que je sais qu'il y en a qui vont douter. C'est sûr, regardez. Là, je vous montre un coil de 3 mm standard que je viens d'enlever. Et regardez le 4 mm, comment il est plus gros. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la différence. Il est beaucoup plus gros. Ouais. Voilà. Et non, c'est pas 4 tours, hein. J'ai bien fait 5 fils, hein, sûr. Sur certains. C'est simple, regardez. Je les ai là. Alors attendez. 1, 2, 3. Alors attendez. 1. T'as regardé en arrière ces 4 tours? On va le voir ensemble, regardez. Je l'ai encore attaché là. 1, 2, 3.
4 et 5. J'ai 5 fils. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, j'ai bien 5 fils. C'est juste, c'est 5 fils. Je me suis pas trompé. Donc voilà, vous voyez au moins que le tableau il dit pas de conneries. Voilà, on est bien à 0,14. Bon, les coils ont grossi parce que c'est du twisted. C'est le désavantage du twisted, c'est qu'il faut vraiment. Si tu le roules à 2,5, il va le rentrer dans le 3. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est tout simplement parce que, comme on a twisté beaucoup de fils ensemble, pour le pli et tout, c'est. Voilà, le fil, il a un effet ressort naturel. Et du coup, c'est ce que ça a créé. Voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec des coils finalement à 4 mm. Mais bon, c'est pas gênant, voilà. On est à 0,14, on est bien, au moins on est safe, on est dans une plage, voilà, on va dire, idéale pour du mecha. Voilà. Ça me fait perdre le fil, ouais, exactement. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal, je la prends, je la prends. Du coup, voilà, on va se cotonner ça, du coup, là, hein, les amis, hein, forcément, vous me connaissez, hein, moi, il y a du coton, ça va cotonner sec. On va tester tout ça, et ensuite, on va passer à la suite de notre expérience vidéo, voilà. Donc, je vais me sortir les ciseaux de princesse, voilà. Mais vous avez vu, hein, alors regardez, hein, vous avez vu, on a 0,14, sur la ODA, je suis à 0,17, hein, 0,17, on a 0,03 ohms de différence. C'est quand même énorme, hein. Mais bon, voilà, au moins vous le savez, si vous avez une ODA, ne vous posez pas la question, c'est normal. Regarde, ah, tu vois ce que ça donne, il n'y a pas de souci, viens, on va regarder ensemble, t'inquiète pas mon pote, regarde. J'étais à 0,14 donc sur la Pico S. Hein. Vous l'avez vu, on l'avait vu ensemble. Hein. Hop. Donc regardez, je me mets sur la Odin maintenant. Donc même coil, hein. Je n'ai pas touché au montage. Je n'ai rien fait de spécial. Hop, normalement c'est 0,17. Oh, carrément, 0,26 maintenant. Ah, 0,17. Voilà. Donc elle a 0,03 ohms de battement, de différence. Hein. Voilà. C'est quoi comme méca? Eh ben, je vais simplement prendre un tube méca qui m'a été offert par un ami super sympa. Voilà. Standard. Du méca vraiment standard. Voilà. Made in MechaVap. Super sympa. Donc voilà. Hein. On va mettre ça en place. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc je vous rassure. Hein, voilà. Il n'y a rien dedans. Je ne prends pas de risque. Simplement pour cotonner. Salut Damien, eh ben écoute, ça va super et toi? Donc la petite méthode de cotonnage, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la montrer. Alors quand vous avez un coil n'importe lesquels, 2 mm et demi, 3 mm, 3 mm et demi, 4 mm, on s'en bat les steaks comme on dit, hein, d'accord, hop. Je viens prendre mon coil, je prends ma section coton que je coupe à peu près un peu plus grosse que la résistance. Hein. Ok, je la déligne un petit peu. Voilà, si le coton est compact comme le Dead Way Stuff, je la déligne un peu. Ensuite, je viens la rouler légèrement comme une cigarette. Je sais que je vais. Voilà, comme une classique, on va dire. Voilà, regardez. Je l'ai rangé la flûte. Voilà. Et là, je me présente face au coil, regardez, comme ceci. Et il doit faire plus ou moins deux fois l'épaisseur. Comme ça. Une fois que c'est fait, on vient rouler en appuyant très très fort, comme si vous étiez en train de pincer votre pire ennemi. Voilà, hop, tout simplement comme ceci, pour obtenir une mèche afin de pouvoir rentrer dans votre résistance et passer par-delà celle-ci. Et vous allez voir que vous allez jamais vous tromper. Ça rentrera toujours crème comme ça. Voilà, toujours. Salut Anthony, comment que c'est? Ah putain, elle est quand même partie en SAV. Bah écoute, c'est bien, tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Au moins, elle part en SAV, ils ont pas dit d'aller te faire foutre. C'est déjà ça. Après, je peux comprendre que c'est chiant, vraiment. Je vous remontre, hein, comme ça vous n'allez pas me dire que voilà, voilà. C'est pas un coup de chance. Je prends mon coton, voilà. Je le roule légèrement, hop. Comme un cigario. Hop. Je me présente en face, plus ou moins deux fois l'épaisseur. Grosso merdo, hein. Hop, je viens rouler en pinçant très fort. Voilà, je passe dedans, tout simplement. Je viens sortir de l'autre côté. Voilà, et c'est impeccable. C'est ni trop serré, ni trop light. Si vous faites ça et que ça vient avec, c'est pas bon. À l'instar, si vous bougez et que les coils bougent avec, c'est pas bon non plus. Il faut trouver vraiment l'équilibre parfait, le juste milieu, comme on dit. Voilà. Hop,
là, le moment fatidique que vous allez attendre, que vous attendez tous, pardon, hein, je suis en train de bégayer. Hop, je vais déligner un petit peu histoire d'eux, parce que même si c'est un dripper, je veux que la capillarité se fasse quand même correctement bien, et pas que le jus soit agglutiné dans l'épaisseur des cotons que je serai amené à laisser. Hop, 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 hop. Voilà. On va découper le reste proprement, comme si on faisait une coupe de cheveux à la Jacques Desange. Voilà. Voilà. Alors, j'aime pas trop laisser des petites merdes comme ça. Hop là. Et on vient mettre, tout simplement. Non, faut pas bourrer comme un mortier. Il faut pas croire, les amis, quand vous faites un cotonnage, c'est comme si vous étiez en train de faire une coupe de cheveux à votre femme. C'est aussi délicat. Bon, si ce n'est qu'à la différence que le dripper vous engueule pas, si vous le loupez. Tout simplement. Non, mais vraiment, moi je l'associe vraiment à comme si c'était un bébé que je m'occupais. Hein. J'adore faire ça. Je pourrais passer le clair de mon temps à faire des cotonnages. J'adore ça. C'est trop bien. Hop. Hop. Voilà. Faut savoir bien, bien, bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Hein. Tu es le monk du coil et du cotonnage. Salut Flo. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Je sais pas si Océane est là. Et du coup, ben salut Océane, hein, si t'es là. Donc voilà à quoi ça ressemble, les amis. Hein, pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est pas ce que j'appellerais un cotonnage digne de tous les noms voilà, du Midwest. Hein, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà. C'est pas trop mal. Et maintenant, l'instant de rêver, l'instant que vous attendez tous. Parce que je vais. L'instant que, mais j'ai. Ma bottle, elle est où? Sacré nom d'un chien. Don't move, les amis, j'arrive. Bon, c'est pas grave, on va faire à l'ancienne. Hop. Il est là. Ragnarok 100% VG. Voilà. Il me reste un fond de Ragnarok 100% VG. Et ça va le faire. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le meilleur et pour le pire, hein? Regardez-moi ça, les amis. N'hésitez pas à partager. C'est gratuit. Alors, je vais monter un petit peu la luminosité. Voilà. Alors, je vais un petit peu juste faire ceci. Non, c'est déjà au minimum. Waouh. Voilà. Ok. Bon, un petit peu moins. Voilà. Non, non. Voilà. Il faut que ce soit un instant Kodak. Je vais quand même me mettre une Samsung 20S dedans. Pourquoi? Parce que ben, je veux que ça soit clean quand même. Hein. Donc une Samsung 20S pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, hein, d'être bien. Hop. Je mets le positif vers le haut. Voilà. Je n'appuie pas et je n'enfonce pas tout de suite mon accu. Pourquoi? Par mesure de précaution. Voilà. Voilà. Hop. Alors, voilà, je veux que ça soit autofocus là-dessus. Il faut que je recule un petit peu. Voilà, que l'autofocus soit parfait. Je veux que vous en loupiez pas une miette. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Non, j'ai jamais essayé le Red Planet MDD. MDD, pardon. Alors, regardez, c'est parti, on y va? On se lance? Allez, on y va. Ça, c'est pour vous, les amis. Bah, tout simplement parce que j'ai des Samsung 20S à foison. Il n'y a pas de raison spéciale. Il n'y a vraiment pas de raison spéciale, je te jure.
Voilà. Admirer. Vous savez que je suis même moi en train de m'endormir là, tellement c'est beau. Je crois que je vais faire des vidéos comme ça sur TikTok. Ah, salut JP! Bien le bonsoir l'Alsace. Eh ben dis donc, l'Alsace est au rendez-vous ce soir. Nous avons des Alsaciens, Céline Chapard, qui vient aussi de l'Alsace du coup. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Et alors maintenant, si vous doutiez d'un problème de quelconque réactivité que ce soit, je vais vous montrer, en espérant que ça ne me pète pas la gueule. Alors je vous montre hein, quand même, hein, je suis pas comme ça, je vais appuyer dessus. Hop. Regardez bien quand j'appuie dessus. Voilà, hein, c'est instant. Hein. Vous avez vu, hein? Alors je vais mettre en plein écran que vous puissiez bien voir parce que c'est pas forcément probant quand on. Voilà, je vous parle comme ça, c'est ouais d'accord, c'est réactif. Et puis alors, voilà, je vous montre. Voilà, c'est. Maintenant, si vous doutiez encore d'un petit truc, alors je vais juste hop, me remettre en mode je suis bien. Et ce qu'on va faire, du coup, voilà, je vais mettre le top cape. Et on va vraiment s'y essayer correctement pour voir ce que ça donne. Hop, je me mets bien en face. Voilà. Vous avez vu, c'est simple. J'ai pas tiré une grosse barre. Hein. Maintenant, on va tirer une grosse barre. Maintenant, on va se faire plaisir. On va tester du Twisted 5 tours. Simple, efficace. Je me mets de côté et je vous montre. Hop, voilà, hein. Donc je vais quand même juicer, j'ai pas envie d'avoir un truc de merde, hein. Un coup de merde, hop, voilà. Voilà, et là, c'est du twisted 5 tours. Vous avez vu, rien de compliqué, hein. Santé les amis. Je vais éteindre ce ventilo parce qu'il me souffle tout. Oh bah du coup. J'en ai perdu le focus. Ouais, bien. Voilà, hein. Parce que c'est facile de souffler sur la cam, hein. Regardez, hein. J'ai rien fait, hein, j'ai fait un petit nuage. C'est pour ça que je recule bien pour que vous puissiez voir. Simple, efficace. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps à faire. Vous avez vu? Ça a vraiment pas pris beaucoup de temps à réaliser. C'est un coil qui est très simple, d'accord? Ne pensez pas que parce que vous faites du twisted, vous êtes une grosse merde. Non, 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 non. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont me dire, et là, je vous vois arriver parce que je sais déjà comment ça fonctionne. Ouais, mais Jimmy, je comprends pas. Comme moi je le fais, ça ne donne pas des nuages comme toi. Alors, je le répète, je sais pour certains, pour beaucoup même, je vais me répéter. Voilà. Mais il y a plusieurs choses à voir ensemble. Comme je vous ai déjà dit, premièrement, il y a les poumons. C'est normal. Il faut bien encaisser. C'est normal. Tu. Voilà, ça. Voilà. Hein. Le montage, c'est simplement un twisted. 5 fils twistés ensemble. Rien de plus. Voilà. Donc, les poumons, premièrement. Apprendre à bien inspirer, vous pouvez faire des entraînements si vous voulez faire du concours de clat ou de quoi, c'est comme ça que j'ai fait moi. Soufflez à fond jusqu'au bout et vous respirez à fond très fort, au maximum que vous pouvez. Vous faites ça plusieurs fois, exactement comme les gars qui font la natation. Même entraînement. Voilà. Une fois que vous arrivez bien encaissé comme ça, il faut commencer à encaisser la vapeur parce que la vapeur, elle va être dedans forcément. Voilà. Voilà.
Et surtout, ce qui est important, c'est votre façon de vaper, de souffler. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a deux vapes différentes. Je vais faire deux fois la même barre, ça va rien avoir. Regardez bien, ça n'a rien à voir. Première barre, normale, comme je le fais. Vous avez vu, j'ai fait un beau nuage, c'est bien explosif, ça part. Maintenant, je vais faire exactement la même barre. Regardez. Vous avez vu la différence? Et c'était la même barre. Hein. Pourquoi? Parce que forcément, j'expire doucement. Et en expirant doucement, ça rend la fumée opaque. Donc, il y a même la façon de souffler votre vapeur va influer sur le nuage que vous allez faire. Regardez. Vous remarquez? Je souffle pas fort. Je laisse le nuage partir. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Tout simplement, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Si vous voulez, les concours de cloud chasing, mais en distance, là, il faut souffler fort. Pourquoi? Parce que le nuage doit arriver le plus loin possible. Mais là, c'est pas le but. Mon but, c'est de vous montrer à quel point ça peut être opaque, à quel point ça peut embrumer une pièce avec pas grand-chose. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc, c'est la petite astuce encore en plus pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà. Ouais, voilà, il faut vraiment pratiquer ce qu'on appelle ouais, de la respiration, tout simplement. Vous respirez. Alors vous avez vu que j'étais dans le coefficient de chauffe, il était dans le rouge. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme je suis dans le rouge, du coup ça a du mal à monter en puissance. C'est puissant, mais ça a du mal à monter. On sent que c'est un petit peu diesel. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un coef rouge. Maintenant, on va faire ensemble, on va créer ensemble un fuse dans un coef de chauffe vert. Vous allez voir la différence de réactivité. Merci Géraldine. C'est gentil. Alors voilà, maintenant on va créer ensemble un fuse, mais avant je vais vous expliquer bien sûr, avant tout ça, comment faire un clapton facilement. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, je n'arrive pas à faire de clapton, je ne sais pas le faire. C'est pas grave, je vais vous montrer deux trois petites astuces qui sont très sympas pour fabriquer un clapton. Après ça demande un certain doigté pour certaines choses, voilà. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Donc numéro 2, partie 2, le clapton. C'est parti en mode build. Hop, je fais grossir de nouveau la petite bébête. Alors faites pas gaffe au bordel, hein. Forcément, là mon bureau, c'est un chantier, hein, comme si on venait de tirer dedans. Voilà, c'est vraiment bien à savoir. Eh ben écoute, non, franchement, je suis sincèrement, voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut que les gens sachent que la vape, c'est pas, je mets une résistance dedans, je mets un coton à la One Again Abyss to Fly, et puis ça y est, ça part. Et puis tu fais ce que tu veux. Non, 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 non. Tout est une question d'ordre, je dirais. Voilà. Avoir un bon ordre, voilà. Prendre bien soin de monter les choses, de prendre son temps surtout, de ne pas y aller trop vite. Voilà, c'est en allant vite que de toute façon on fait des conneries. Vous avez vu, j'en ai fait une déjà. Alors voyons voir ensemble un petit peu le clapton qu'on va pouvoir être amené à faire, ou en tout cas le clapton fuse dans notre cas. Je vais vous montrer pour le clapton, mais on va déjà voir le clapton fuse qu'on peut être amené à faire. Et d'ailleurs, je vous laisse choisir. Est-ce que vous voulez qu'il aille sur Mecha ou sur Electro? Voilà. Je vous laisse le choix. Choisissez. On va voir ensemble. Vous me dites Mecha Electro, je vous obéis. Voilà. En attendant, moi, je vais me diriger du coup vers le tableau, vers le calculateur. Et on va voir un petit truc sympa. Donc, de nouveau sur notre petit calculateur maison. Hop. Ah, toi, t'es grave, sérieux. Faut écouter du Eric Clapton. T'abuses, sérieux. Alors, Christian me dit Mecha. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent que je continue sur Mecha du coup? Semi-Mecha. Vas-y, casse-toi avec ton semi-Mecha, toi. Electro, je suis que sur ça, moi. Eh ben, c'est pas grave. Pour toi, je te ferai un montage électro. On va voir, on va voir. Voilà. Mecha, Mecha, Mecha. Apparemment, ça veut que je. Voilà. Ça veut que je me lance sur du Mecha. Bon, ben, on va faire du Mecha. Et pour ce faire, on va faire le montage, bien sûr, sur le Asgard Mini. Voilà. Salut Laurent, merci d'être passé, c'est super gentil de ta part. Passe un très bon week-end et merci d'être passé faire un petit coucou du coup. Voilà, du coup, c'est parti, hein.
Alors, on va voir ensemble quelle fuse on peut faire qui serait dans la plage verte pour vous montrer un petit peu le coefficient de chauffe. Pourquoi? Et il est important quand même d'y faire attention en fait, tout simplement. Alors, on va partir sur du 28, non sur du 26, voilà, du 26, je vais prendre du 26, voilà, tout simplement. On va pas prendre du 28 parce que là je veux du méca, je veux que ça marche. Donc, l'idéal du 2x26, je vais pas monter dans des cols de bourrin. Pourquoi? Parce que je veux pas avoir une vape chaude. Sachez une chose, les amis, plus vous allez mettre de fil, plus forcément votre vape sera chaude, c'est normal. Fais péter la Oda en électro. Avec moi, tu crois? De quoi? Avec moi, tu crois quoi? Ben, 0,20 ohms, hein, sur Rick, hein, si t'es sur Rick. Non, non, c'est pas déjà fini, Rico. Pas du tout. Ça continue, ça continue. Oh là là, c'est pas fini. N'hésitez pas à inviter des amis s'il y en a qui sont curieux de voir. On reste jusqu'au bout. Ensuite, donc, on va passer sur du fuse. Alors, en fuse, je vais rester du coup en nichrome, tout simplement. Hein, voilà. Mais je vais mettre en 26. Le 26, je vous montre hein, du coup. Hein, alors, on va regarder sur le tableau des gauges. Donc, du 26 gauge, ça correspond à 0,40 mm et demi. Bon, on va dire 0,40 quoi. On arrondit à l'unité inférieure là dans ce cas et non supérieure. Hop, je reviens sur mon calculateur. Donc, on est sur du 0,40. Non, je reconnais pas ton pseudo sur XR. Pas du tout. Alors voilà, on va partir sur du 0,40 du coup. Je sais pas, on pourrait aller. C'est qui? Donc 0,40. Voilà, tout simplement. En diamètre, cette fois-ci, on va mettre du 3 parce que j'arriverai bien à le rouler. Donc je vais mettre en 3 mm. Voilà. J'ai quand même pas envie de me péter la tête en nombre de fils. Je vais en mettre 2. Voilà, parce que c'est du fuse. Comme indiqué, fuse veut dire 2. Voilà. Alors, donc deux fils, deux coils forcément, hein, on est sur du dual coil, hein, je veux que ça reste non plus pas de la merde, hein, je veux que ce soit top. Voilà. Et du coup, à 6 tours, ça me dit que je serai à 0,18, mais j'ai un coef de chauffe vert, donc il est pas mal. Hop. Voilà. Donc je sais que je peux mettre à 0,15 ohms à 0,33, voilà, watts par millimètre carré. Bah, là, je peux le mettre. Là, les deux iront. Là, c'est un montage qui est idéal pour méca comme électro. Donc, on va partir, je pense, sur un 6 tours. Un 5 tours, pardon. C'est un 5 tours. Comme je vous ai dit, quand vous mettez 6, c'est 5 tours. C'est le seul défaut du site. Voilà. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ça correspond à une valeur de 5 tours et non de 6 tours, comme indiqué là. C'est le seul défaut du site. C'est dommage, c'est con. Ils l'ont bien fait, c'est juste ça qui chie dans la colle. Alors du coup voilà, donc on va partir sur du 5 tours, hein, du coup 2x26, et là, comme je vous ai dit, peu importe l'alliage que vous allez mettre autour, c'est pas grave, hormis, ne faites pas les cons, ne mettez pas du titane, ou voilà, hein, pas de titane ou de nickel ou un truc comme ça, voilà, restez vraiment sur du nichrome, Cantal, SS316L ou NI90, parce que même si vous mettez du Cantal en âme, vous pouvez très bien vous faire un petit kiff en mettant du SS316L, en clapton autour pour avoir un coil coloré. C'est-à-dire que vous aurez la valeur que vous vouliez, vous aurez la vape que vous voulez, mais bon, vous pourrez vous faire un petit kiff en mode color coil. À savoir que le SS316L bénéficie d'un bon nombre de couleurs qui passent de la couleur or pour ensuite venir à bleu, violet, pour ensuite passer à du gris. Et ça fait une espèce d'arc-en-ciel comme ça. Salut Timmy, comment que c'est? Alors Suric, t'es qui bordel? Question con, désolé, mais méca, c'est au niveau du matériel. Mais méca, c'est au niveau du matériel qui change. Comment ça? Je comprends pas la question. En fait, méca, c'est tout simplement que tu as zéro chipset, zéro protection électronique, il n'y a pas d'électronique. Tu as simplement ton accu, comme je vais te montrer là. Hop. Alors, je sais pas si c'est ça que tu veux me dire. Hein. Mais tu as simplement, en fait, un tube vide, voilà, hein, ou alors une box vide. Avec l'accu qui est directement en contact, le moins qui fait justement, qui fait toute la box ou tout le tube, et le plus qui est juste en fait le petit pin. Non, j'habite pas Nancy, mais à côté, juste à côté, Timmy. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas de. Voilà, c'est ça, méca. Tout simplement. Il n'y a aucune protection de chipset, pas d'électronique dedans. Voilà, pas de présence électronique. Salut Jean-Luc, sois le bienvenu. Donc voilà, hein. Donc on va fabriquer exactement ce que je vous montre là. Hein. Voilà. Donc, à savoir un fuse en 2x26, 36.
pour le coup, je vais rester sur du NI 80. Je vais pas me prendre la tête. J'ai l'NI 80 devant moi. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez envie de vous faire un kiff en couleur, le NI 90 a deux couleurs. Le bleu, forcément. Je l'ai jamais vu virer au rose, je crois pas. Et le SS 316L, lui, il fait. Alors là, vous êtes un arc-en-ciel, quoi. Voilà. Donc, tout simplement. Alors, ensuite, ce que je vais faire, alors, on va passer directement en mode build et je vais vous montrer déjà comment faire un simple Clapton pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc là, par contre, je vais mettre mon roulement en route. Hop. Re, Layashi. Salut Vince. Jean-Luc Delarue. RIP Jean-Luc Delarue. On va pas comprendre. Hop. Du coup, on va mettre le fil et je vais vous montrer un petit peu les petites techniques si vous voulez vraiment que ça soit plus facile. C'est Gérald. Ah, tu t'appelles Surikixer maintenant. J'ai le même type, mais c'est un tauren. Salut Nadia. Oh, ça fait longtemps, Nadia. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. T'as passé une belle semaine? Donc, je vais démonter un petit peu ce que j'ai fait quand même. Je suis pas comme ça. Hop, et je vais vous montrer comment faire un Clapton très simple. Vraiment le plus simplement du monde. Sans se prendre la tête, ça va aller tout seul. Alors déjà, je vais me faire ma petite âme, forcément. Alors à savoir qu'un Clapton, vous pouvez vaper dessus, hein, y a pas de problème, sauf que c'est, ben, c'est petit, quoi. C'est petit, hein. Vous pouvez vous en servir à la rigueur si vous avez une vape MTL toute fine. Voilà, c'est très possible de vaper justement. Hop. Voilà, pas de protection, mais c'est que pour reconstructible, surtout pas de chléromiseur dessus. Ça, c'est important que vous le sachiez, oui, parce que j'ai fait le test pour vous, les amis, il y a 2 ans de ça. J'ai eu le malheur de mettre un SKRR sur un mecha, parce que c'était marqué 0,20 ohm. Je dis, oh, bah, c'est cool, c'est que ça doit marcher. Et oui, vous savez, hein, moi, il y a 2 ans, ben, j'en apprends encore, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. J'ai tout appris en testant moi-même, au grand désarroi de m'être presque fait péter la gueule. Croyez-moi quand je vous dis, ne mettez pas de chléromiseur dans le méca, ne le faites pas. Hein. Peux-tu m'expliquer le semi-régulé? Va te faire foutre, monsieur l'Alsacien Jérémy. Quelle différence entre le parallèle et le série? Bah, c'est simple, parallèle, c'est tout ce qui est box électro, je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est box électro, c'est parallèle, et tout ce qui est série, c'est tout ce que vous avez en stacked. C'est simple, série, pensez stacked, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est monté en l'air. Hop. Donc là, je vais faire mon âme en espérant que ça se décroche pas. Ça s'est décroché, mais c'est pas grave. Forcément, hein. Forcément, hein. Faut que ça t'arrive, hein. Salut Tanguy. Sois le bienvenu mon ami. Ouais, il faut vraiment que je change ce tour, putain, je le dis tout le temps et je le change pas. En plus, j'en ai un tout neuf au magasin. Non, ben non. Faut que je traîne encore avec ce vieux truc pourri de merde. Semi-méca, arrêtez avec vos semi-méca, semi-ici, semi-ça. Entre parenthèses, le semi-régulé, ça existe, ça, par contre. Hein. Salut Alex, sois le bienvenu. Ah. Hop. Hop, voilà. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. Je vous montre. Voilà, je vous montre, mais il n'y a pas de secret. Je l'attache sur mon petit roulement, tout simplement. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait un Clapton le plus simplement possible. Hein. Il y a plusieurs méthodes. Alors, malheureusement, j'ai oublié ma pince à linge. C'est con parce que la méthode de la pince à linge, je vous l'expliquerai quand même. Vous allez voir, c'est tout con. Vous prenez une pince à linge en bois, d'accord? Alors, il existe des petites pinces à linge que vous pouvez acheter exprès pour que les filles achètent pour mettre dans les cheveux. Des petites pinces à linge en bois, voilà. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer. Ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement d'avoir un petit doigté très simple. Non, j'ai pas la fuche, elle est pas là, je crois même pas qu'elle est là. Merci Limine de m'avoir partagé cette connaissance, bonne soirée à toi, à tout le monde. Salut Ludovic, merci d'être passé quand même. Hein. C'est dans les vieux tours qu'on fait les meilleurs coils. Elle est pas mal. Salut Ludo, passe un bon week-end. Merci d'être passé, vieux. Franchement, ça m'a fait plaisir. Voilà, on est pas mal. Il n'y a rien qui touche.
Donc là, je suis sur un roulement magnétique. Voilà. Il n'y a rien qui accroche. Hop. Voilà, je vais bien me faire comme ça. Voilà. Voilà. Roulement magnétique, hein. Il n'y a rien qui peut passer là. Justement, pourquoi plus aimer le méca que l'électro, sachant que c'est plus dangereux? Moi, c'est vrai, j'ai jamais testé méca, encore par peur. Alors, t'as pas à avoir peur du méca, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'utilisateur qui est dangereux, c'est pas le matériel. Voilà. À partir du moment où tu mets quelque chose de clair dedans, voilà, par exemple, tu me conseilles quoi comme cléromiseur? Oula, il y en a tellement. Alors, je te déconseille Smoke, hein. Bon, après, c'est mon avis, attention, ça n'engage que moi, comme je le répète toujours, et pas le journal du vapoteur. C'est mon avis personnel, d'accord? C'est pas parce qu'il y a marqué le journal du vapoteur un petit peu en mode brouillon là, que voilà, je m'engage pour eux. Non, non, c'est ma parole à moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est odeur de Jaspire. J'aime bien le NRGPE, voilà, ou SE, fonctionne très bien, c'est des petits trucs qui fonctionnent bien, voilà. Surtout pas le SKRR par rapport à eux, parce qu'il a plus de saveur. Quand je l'ai testé, je l'ai retesté, j'ai trouvé qu'il y avait moins de saveur. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein d'autres, hein, honnêtement, en Clairo qui fonctionne super bien. Le PNP aussi, je préfère le PNP que le TPP, j'ai trouvé qu'il y a plus de saveur sur un PNP que sur un TPP. Mais voilà quoi, voilà en gros, les grandes lignes. Donc voilà, c'est parti. Alors, quand vous êtes là, les amis, voilà, l'instant fatidique où on accroche d'accord son fil, déjà prenez bien soin quand vous mettez votre fil d'avoir toujours ce petit fil d'accroche là, ce qui va vous servir à attacher, hein, votre fil que vous allez clactonner. En l'occurrence, là, mon fil est ici. Donc, je vais le prendre. Tout de suite, je vais me munir de ce fil. Voilà. Je vais l'enrouler autour. N'hésitez pas à faire... Alors, il y a deux techniques. Soit vous l'enroulez autour, soit vous faites comme un nœud de pêche, comme ça. Voilà. Hop, vous faites simplement plusieurs tours comme ça pour que ça fasse un nœud. Voilà. Et on vient l'accrocher là. Nous ne sommes pas sur un alien, donc on n'a pas besoin de respecter le sens horaire ou anti-horaire. Ça, c'est à votre bon vouloir. Hein. Voilà. Ensuite, vient la technique de, forcément, bah, je viens faire ça et je vais le rouler. Voilà. Alors, bien sûr, le fil là, vous le couperez pour éviter qu'il y ait de l'excédent, parce que l'excédent, ça fait toujours chier. Voilà. Donc, je vais couper l'excédent pour pas être emmerdé. Hop là. Voilà. Maintenant, forcément, on doit faire une action comme celle-ci. C'est-à-dire, le but, c'est de tourner autour. Voilà. Et d'éviter les écarts. Comment éviter les écarts? Premièrement, on va adopter, on va dire, presque la méthode de l'alien. C'est-à-dire que votre fil, alors je vais bien mettre en face pour bien vous montrer si je peux. Voilà, hein, voilà. Je suis bien en face. Voilà. Votre fil, il doit rester au minimum droit comme ça. Surtout pas vers dedans comme ça, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr qu'au moment où vous allez le détendre, il va s'enrouler autour. Ça va être dégueulasse. Voilà. Hein. D'accord. Donc, soit vous adoptez le fait de rester bien droit, voilà. Soit un petit angle vers l'avant de 5 degrés, un petit peu comme l'alien, voilà. Tout simplement. Évitez de trembler, d'accord. Restez calme. Et si possible, c'est quoi à dire? Mettez-vous de la base sur le doigt, voilà, ou du liquide. Ou alors léchez-vous les doigts si c'est pour vous personnellement, pas si c'est pour un client, hein, d'accord. Parce que c'est un peu dégueulasse, voilà. Vous vous mettez un petit peu de liquide comme ça sur le doigt, voilà. Alors moi, de la base, mettez, hein, vous ne gaspillez pas votre liquide, hein. Voilà, moi c'est pour vous montrer, voilà, et c'est avec ça, regardez, hein, je vous montre, hop, je recule ça, regardez, j'ai ma bobine là, voilà, et là je tiens avec les deux doigts là, voilà, comme ceci, d'accord. Sachez que plus vous allez reculer, moins vous allez avoir d'erreurs, puisque vous allez diminuer vos risques d'angle. Vous avez eu pour regardez, si je me mets là par exemple et que je me mets comme ça à bout portant. Regardez, je vous montre. Hein. Voilà, regardez. Si vous faites ça, vous êtes mort. C'est même pas la peine, mais moi, j'y arriverai pas presque. Pourquoi? Parce que regardez, quand je bouge comme ça, regardez l'angle, comment je peux le bouger très vite. Vous avez vu? Voilà. Regardez maintenant. Je vais reculer de 40 bons centimètres. Voilà, je suis même à... Voilà, là, je suis à peu près à 40 centimètres. Regardez, je vais faire le même mouvement que tout à l'heure. Vous avez vu comment mon angle bouge moins? Voilà, donc premièrement, plus vous vous mettez loin, mieux ce sera. Attention, restez sur une zone à peu près, comme on dit, de 30-40 cm. N'allez pas vous mettre à 1,20 m de la bobine, du truc, hein, sinon c'est mort. T'as de beaux mollets, hein, je sais, merci, c'est gentil. C'est gentil, vraiment, ça me... Ça, du fond du slip, merci, vraiment.
D'accord? Voilà. Donc, j'adopte un angle un peu ouvert, très légèrement ouvert, les amis, d'accord? Et il y a plusieurs méthodes, il y a même trois méthodes, pour ainsi dire. La méthode numéro une, alors je garde mon fil tendu, et du fait que je me suis un peu lubrifié les doigts, sans mauvais jeu de mots, regardez, ça va rouler tout seul. J'ai juste besoin de pincer la bobine très fort. Ça roule tout seul. D'accord? La méthode numéro 2, voilà, c'est tout simplement. Hop. Il y a la méthode numéro 2, c'est celle-ci. Regardez, je vais vous montrer. Vous mettez en route, comme ceci. Voilà. Et si vous ne voulez pas vous gourer, vous pincez très fort votre fil. Voilà. Regardez, peu importe que je fasse ça ou que je fasse ça, voilà, en pinçant mon fil, j'ai aucun risque, j'ai pas d'erreur. Regardez, hein, je vous montre. Hein. Voilà. Vous avez vu? J'ai juste pincé mon fil. Voilà. Je vous remontre. Hein. Hop, je pince mon fil. Je peux faire ça, ça. Zéro erreur. Ça marche. Regardez. Hein. En pinçant le fil, tout simplement. Cette méthode est valable avec une pince à linge en bois. Petite. Regardez, hein, je vous remontre. Hein, comme ça, vous n'allez pas dire que je suis un tricheur. Hop, voilà. Donc, je pince mon fil, comme ceci. Regardez. Hop là. Regardez, hein. Je peux aller à droite, à gauche. Voilà. Hein. Je suis en train de montrer comment faire un clapton facilement pour les gens qui n'y arrivent pas. Regardez, hein, je vais du droit de gauche. Voilà. Vous avez vu? J'ai zéro erreur. Hein. Je ne vous regarde même pas. Hein. Là, je ne regarde même pas ce que je fais. Je regarde vos commentaires. Voilà. Donc, une méthode très simple. Hein, vraiment très simple. Merci d'être passé, mon pote. Ça fait plaisir. Regardez, hein, méthode très simple. Hein, regardez, hein. Voilà, je pince mon fil, hein. Hop, je regarde derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi? Non? Non, il y a personne? Ok, bon bah voilà, je reviens. Hop. Regardez, hein, mon fil, il est bon, hein. Voilà, Voilà, il y a vraiment rien à dire. Voilà, c'est la méthode la plus simple pour ceux qui n'y arrivent pas, les amis. Ne vous cassez pas le cul. Tenez votre fil, pincez-le. Voilà, vous l'accompagnez. Comme ça, vous êtes sûr que votre fil, premièrement, sera collé, peu importe l'angle que vous allez adopter. Et deuxièmement, ça sera beaucoup plus facile, ça vous évitera que le fil passe par-dessus l'autre. Le point essentiel à retenir là-dedans, c'est que vous gardez bien votre bobine tendue. Voilà, tout simplement. Non, non, je suis pas en claquette chaussette, t'es fou. Vous avez vu, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc voilà, moi je vais accélérer, bon. Hein. Et vous pouvez accélérer après, hein. À partir du moment où vous respectez ce que je viens de dire là, regardez, j'accélère. Voilà. Hein. Je suis à un rythme plus rapide, pareil, hein, hop, droite, gauche, je m'amuse, hein, je m'éclate. Voilà, hein, tu peux regarder la télé tranquille, hein, Avenger. Hein. Tu te pètes 3 heures d'Avenger et tu peux faire ton clapton en toute sécurité sans te casser le cul. Voilà. Et mon fil, il est bien, il n'y a pas de problème. Alors, elle est pas bien ma méthode, franchement. Elle est bidon, franchement, elle est très simple. Et attention, quand je dis ma méthode, je me comprends. C'est ma méthode que je vous montre là, mais c'est pas, elle m'appartient pas. Voilà, je l'ai vu ce truc-là. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bidon, quoi. Voilà. Au début, je me servais de ça pour éviter de me gourer. Vous comprenez le jeu à venir? Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà comment faire, les amis, un clapton en toute sécurité et sans se prendre la tête. Voilà. Valable pour l'alien aussi, hein. Je vais vous montrer quand même. Les petits, le petit fil en soie. Hein. Hop, je vais essayer de zoomer dessus quand même. Alors, à savoir que quand vous faites de la liane, si vous avez des légers écarts, comme vous allez voir là très probablement, c'est pas grave. Voilà. Bon, parce qu'il faut dire que j'ai quand même salement insisté avec le droit de gauche. Hein. Mais vous allez voir que c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Là, c'est l'endroit où j'ai fait du droit de gauche. Vous avez vu? C'est tout fin. Regardez. Petite astuce, hein. Vous avez votre fil qui est un peu écarté comme ça, là? Un tout petit peu dégueulasse, c'est pas grave. Vous prenez de chaque côté, on pousse un petit coup et regardez. Voilà. On vient récupérer les erreurs juste en poussant le fil comme ça. Voilà. Vous avez vu, hein? On refait les défauts du fil, s'il y en a. Voilà. Si jamais vous êtes, voilà, vous voyez qu'il y a un petit écart, vous voulez que ce soit très propre. Alors, cette solution n'est valable, bien sûr, que sur le clapton normal, hein, bien sûr. Hein. Alors, là, vous voyez, une légère petite, la petite couille ici, la petite foirade. C'est pas grave. Hop. Voilà. On vient pousser. Regardez la foirade. On repousse un petit coup. Hop.
Voilà, et on récupère la foirade. Voilà, j'ai tiré dessus comme un salaud. Voilà. Hop. Elle est plus. C'est classe, non? C'est classe. Donc voilà. Comme ça, vous savez, vous serez au moins, vous serez à même de pouvoir créer vous-même votre Clapton. Voilà. Donc là, c'est ce qui en était pour la série Clapton. Tout simplement. Hop. Et maintenant, dernière petite étape, on va passer sur le Clapton Fuse avec le montage, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc le Clapton là, je vais bien sûr pas l'utiliser, ça me sert à rien, je vais pas le monter, c'est aucun intérêt, zéro intérêt. Hop là. Ce fil là va aller à la poubelle. Oh. Attends, j'ai pas vu ce qu'il y a écrit en haut, un poteau. Une fois, il a fait un Clapton à 2 mètres de distance avec un poteau au milieu du champ de vision. Non, même pas. C'était pas 2 mètres de distance. J'étais à 2 mètres 50. Attends. 1, 2. Non, j'étais à 3 mètres de distance. Exactement. Et j'ai fait un Clapton il y a quoi? Il y a 2-3 semaines? J'ai fait un Clapton, ouais. Pour un alien à 3 mètres de distance. Exactement. Je vous promets, je ferai une vidéo pour vous montrer que je raconte pas de conneries. J'étais en train de faire un Clapton ouais, à 3 mètres de distance. Sans problème. Sans problème. Ah, j'étais à 3 mètres du fil, ouais. Et je compte bien battre des records. Hein. Je veux vraiment battre un record. Hein. Je veux vraiment arriver à faire un Clapton, si possible, jusqu'à l'autre bout de la pièce. Ça ferait quoi, du 5 mètres à 5 mètres de distance, ouais. S'il y a moyen, franchement, ouais, je le fais. Après une semaine de ouf, taf, le vendredi, c'est le Clapton du montage de Jimmy au calme et à chaque fois. Voilà, c'est tout. Salut Johnny, comment que c'est? Sois le bienvenu. Donc voilà, les amis, on va terminer par cette partie-là, c'est-à-dire... On va fabriquer notre Clapton Fuse et on va le monter ensemble. Voilà. Donc, je vous remontre un peu le tableau hein, pour pas que vous puissiez. Voilà. Hein. Donc, on avait dit qu'on était sur du. Donc, 2 x 26, c'est ça, hein, c'est du 0,40. 2 x 26, 36, full nichrome, 5 tours, diamètre 3 mm pour une valeur de 0,16 ohms avec un parfait coefficient de chauffe. Voilà. C'est ce qu'on avait vu ensemble. Ok, donc on va se préparer ça de ce pas. Non mais franchement, je suis content que vous kiffiez un peu ça. Et surtout les amis, dites-le à vos amis pour ceux qui builent ou quoi, qui n'y arrivent pas trop. La semaine prochaine, on va démarrer l'alien ensemble. On va le fabriquer de A à Z et on va fabriquer différents types d'aliens, vous allez voir. Donc différents alliages, on va faire des aliens en différents alliages. Pour vous montrer un petit peu la différence. Je pense qu'on va partir sur de l'alien Cantal, Alien NI 90 et Alien NI 80. Et voir peut-être les différences entre ces trois fils. Voilà. Donc voilà, vous êtes prévenus. Préparez votre matos. Semaine prochaine, celui ou celle qui veut builder avec moi, parce que même les femmes, après tout, sont les bienvenues. Vous n'hésitez pas, vous prenez votre matos et on fait tout ça ensemble. On s'attend. Voilà. Alors comme j'ai dit, c'est pas une compétition. On n'est pas là pour montrer qui est la plus grosse. Hein. Vous inquiétez pas. On sait tous qui est la plus grosse. Mais voilà quoi. On est là, entre potes. On chill comme des amis. Et n'hésitez pas surtout, si vous voulez partager la vidéo, à vos amis qui puissent voir un petit peu comment que c'est foutu, comment que ça se goupille. Ça sera avec grand plaisir. Vous leur donnez simplement le code au niveau de la vidéo, à combien de minutes ça démarre, ce qui leur intéresse, au pire, s'ils ne veulent pas se taper live complet. Et c'est parti. Hop là. Là, je commence à avoir la clé qui merde. C'est pas très bon ça. Alors, attendez, parce que là vous voyez rien. Hop. Voilà. C'est quand même mieux quand on voit bosser. Ah, voilà. De quoi? Avec un pélican sur l'épaule droite, tu oublies. Pourquoi je dis ça? J'ai pas compris. Enfin bref. Qu'est-ce que je peux mettre comme. Qu'est-ce que je peux mettre sur une Tauren comme coil? Tauren Mecha, c'est ça. Hein, oh le bruit que ça fait. Tu parles du tube, tu parles de l'ato, tu parles de quoi? Parce qu'en fait en Tauren il y a énormément de matos. Précise-moi. Hop là. Donc on a fait notre premier. Ah le tube Tauren. Eh ben qu'est-ce que tu peux te mettre? Eh ben tiens, tu pourras te mettre ça là, ce que je suis en train de faire. Très simplement. Ou tu pourras te mettre le twisted que j'ai fait tout à l'heure, t'as vu?
On était à 0,14 ohms. C'était pas mal. C'était pas mal. Tu vois, Vince? J'ai le tube et l'ato. Alors, si tu veux, tu veux partir sur un fuse, si tu veux quelque chose de plus savoureux. Parce qu'après, comme on a dit, comme je le répète, hein, c'est du simple fil twisté. Voilà, ne vous attendez pas non plus à des... Alors, c'était bon, hein, mon liquide était sucré, il y avait une légère fraîcheur. Voilà. Mais ne vous attendez pas à une bête de saveur juste avec du fil tourné comme ça. Hein. C'est... voilà, hein, c'est sûr. Hein. Installer son matos de cold building. Bah, termine. Bonsoir Jimmy, j'aimerais un bon coil pour du single. Que me conseilles-tu? Sur quel matos, sur Lionel? C'est quoi ton ato? C'est l'Olivier. Bah écoute, ça va super. Et toi, comment tu vas? Soyez les bienvenus, les amis. Putain, le 26 pour le tirer, mais tu pleures. Hein. Pff, c'est un truc de dingue. Voilà. Voilà. Putain, je vous jure que ce tour-là, c'est la dernière fois que vous le voyez. Semaine prochaine, il va à la poubelle, ce truc-là. Il me cause trop d'ennui. Il est rouillé comme je sais pas quoi. Bon, en même temps, il a suffisamment bossé, le truc. Hein. Il a bien bossé. Jimmy, j'ai un souci sur ma Titan. PWM 1.5. Je mets mon Trilogy XL, je mets à 4,10. Je suis à 160. Et quand je mets sur la Titan V2, je ne suis pas à la même valeur. Je me mets à 4,1, je suis à 112. Pour quelle raison? Eh ben, tout simplement, peut-être parce que la valeur entre la Titan V2 et la PWM sont pas la même. Il suffit, comme tu as vu, comme sur celle-là, là, que tu as 0,14 sur un et 0,17 sur l'autre, tu vas pas envoyer la même puissance. Ça peut aller. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Il y a un souci? Sur un gâtette chez QP Design pour un single. Alors, il te faut vraiment du micro-coil, style un mini-alien, tu vois, en 2,5 sur un gâta. Vraiment tout petit. Et Jimmy, si on se faisait un corrugated? Pas ce soir. Quand tu veux, hein. T'inquiète. Mais pas ce soir. Voilà. Mais si tu veux, on pourra se faire un hedgehog. Ça, on pourra faire si tu veux. Si tu sais faire un hedgehog. Ça, c'est un truc que j'ai fait une fois. C'est, ça déchire tout. C'est trop beau. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre mon fil. Hein. Je vais vous montrer ce que je fais. Hop. Je les pince tous les deux. Hop. Je l'envoie là-dedans. On passe le tout dedans. Voilà, hop, je tourne mon fil, je pince le tout, je plie pour bien tendre, que mes fils soient bien tendus pareil. Tu peux me donner la marque de fil? Bien sûr, tiens, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Tiens, ça pour t'entraîner, nickel, c'est du bon fil, honnêtement. Voyeur optime, impeccable. Fusette trop petit. Fusette trop petit? Non, tu peux mettre du fusel, hein, Lionel, bien sûr. Hein. Alors, évite le SS. Alors, j'aime pas le SS. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je n'aime pas le SS. Voilà. Alors après, si tu veux par contre du bon fil, va plus sur du BAP Extreme ou alors du Twisted Messies, du Kidney Puncher, tu vois. Ça, c'est plus des vraies marques de fil. Malgré ce que certains disent, quand même, le fil, quand même... Il n'y a pas beaucoup de fabricants de fils, hein, c'est sûr. Hein. Mais il y a 3 ou 4 grosses 3 ou 4 gros grossistes de fils. Et c'est principalement les fils là qui sont super bons. Quoi. Je prendrai rien, pas d'autres marques. Ça, c'est. Voilà, j'ai mon fil d'entraînement et j'ai mon fil pour builder. Quoi. Voilà, ça c'est bon. Hop. Hop. Mais ouais, tu peux mettre des fusettes sans problème. Hein. Sans problème. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer du coup le build du fuse. Alors, on va un petit zoom quand même des familles pour vous. Hein. Je suis pas comme ça. Voilà. Histoire que vous puissiez voir un petit peu. Hop. Voilà. On entoure.
Comme convenu. Alors là, je sais, vous voyez peut-être pas, mais je vous jure, je suis en train de crever. Il fait 700 degrés ici, à l'ombre. Alors, vous voyez, comme mon tour il n'est pas bien, ben j'ai pas centré mon pile. Ça risque de faire des légères vibrations, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, en avant la musique. Alors, pour le fuse, hein, il faut vraiment. Là, par contre, vous pouvez. La technique de tenir avec le doigt, ça marche pas, hein. Faut vraiment faire se tenir correct. Alors je vais filmer en même temps comme d'hab, hein, comme je suis seul à bosser et à filmer en même temps. Voilà, comme ça vous voyez que je peux faire plus. Comme ça, les femmes qui sont sur ce live, je vous interdis de dire que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Parce que là, je regarde vos commentaires. Voilà, je tiens ma caméra, voilà, hein, vous voyez dans ma main, et je build à la fois. Donc oui, les hommes peuvent savoir, certains hommes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Voilà. C'est dit, fin du débat, je ne veux plus vous entendre là-dessus. Jimmy, quand je mets mon Valhalla 40 mm, j'ai les mêmes valeurs. Tu dois avoir un souci, il y a un souci quelque part là. Tu sais ce que tu peux faire? Envoie-moi les photos de ce que tu as fait, avec les valeurs et les têtes que tu as mis. Que je puisse voir vraiment. Envoie-moi des photos, vraiment. Voilà. Regardez, hein, vous avez vu, hein, c'est pas. Voilà. Donc je me filme en même temps, hein, je recule un petit peu. Hop. C'est pas évident. Mais bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on aime ce qu'on fait, les amis. Hein. Alors je vais me permettre un petit autofocus, là, il n'y a pas moyen. Allez, autofocus-toi là. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ça va tout seul. Hein. Voilà. Ça va, tu es à l'aise, tu as fait bien plus compliqué. Ouais, carrément, mais purée, mais j'ai du mal à. Gérald, c'est ça? Ça me dit quelque chose. Là, je suis. C'est quoi, tu me perturbes? Sincèrement. Enfin, tu envoie-moi une photo là. Envoie-moi une photo. Suis perturbé là. Voilà. Hop. On arrive à la fin. À la fin, à la fin, à la fin. On travaille le fil jusqu'au bout, les amis. Pourquoi? Parce que dans la vape, il n'y a pas de perte. Hein. On garde tout jusqu'au bout, on va. Voilà. Hop, c'est parti. On a fini nos fuses. Du coup, on va les rouler et on va voir ensemble la valeur. Voilà. On va voir ensemble la valeur. Ah. Céline, je t'ai montré, regarde. Tape ça sur Google. Wire Optim sur Google. Hop, voilà. Hop, on va découper le tout et on va voir ce que ça donne. Hop là. On coupe de chaque côté. Voilà. Je me découpe de longueur. Une et deux. Pour faire du 2 fois 5 tours, on avait dit, d'accord? Tu peux faire deux choses en même temps, mais j'ai une meilleure mémoire que toi. Bon, trop c'est trop. Je me renseignerai. Alors, attends. Il n'y a pas de quoi, Céline. Oh la vache, qu'est-ce que je crève de chaud. Je suis en train de mourir, les amis. Je vais mourir. Donc on va se rouler là en 3 mm, alors là ça va se rouler mais alors impeccablement bien. Voilà, vous voyez que c'est du 26. Hop. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. On enlève le tour.
Hop. Voilà. Donc, une fois 5 tours. Voilà. Hein. Hop, Fusco. Putain. On peut pas en arriver à l'étape où tu me dis directement. Hop, une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Ben écoute, là, de tête, non, honnêtement, je suis. Alors, tu m'excuses, hein, t'inquiète, c'est pas contre toi, quoi. Hein. Mais j'ai tellement de trucs dans la tête que ouais j'ai dû. T'inquiète pas. Si voilà, si je me rappelle très vite des gens, mais là sur le coup, no stress, t'inquiète pas, ça reviendra. Hop, une, deux, du coup. Voilà. Et on va se monter ça du coup ben, sur le Asgard pour voir ce que ça dit. Hein. Voilà. Hop là. Alors je vais démonter tout de suite ce qu'il y a dessus. Hop là. Le truc là, c'est que je parle à énormément de monde. Alors me rappeler tout le monde. Et puis entre les pseudos et les vrais noms, je te jure que c'est pas des fois évident. Donc rien à voir avec toi, je te jure. Hop, on vient les vieux cols qui sont tout vieux, tout noirs, tout cramoisis. Voilà, hop là, et on va tester ensemble. Putain, j'avais la box allumée, vous avez vu? Ah ouais. J'ai peut-être changé d'accu quand même, hein, parce qu'il commence à faire vieux, tu vois. Hop là. Voilà. Hop, mais t'inquiète pas, je t'ai dit, je t'écrirai après, t'inquiète. Voilà. On va dire d'Acula, on va en prendre un autre. Voilà. Une 30T, ça ira très bien. Voilà. Comme ça, on rôde. Hop. Alors, je vais. Une lock, quand même, le truc. Hop. Et on va se rôder ça. Et on va voir si la valeur est bien respectée par le site. On va voir si c'est de nouveau fiable. Je vais mettre à 30 watts. Hein. Là, c'est du fuse. Non, 25 watts. Allez. Je vais pas pousser mes merdes dans les orties, 25 watts. 1, 2, 3, 4, 5. J'éteins la box pour pouvoir installer mes fuses. Ok, donc petit fuse 5 tours. Voilà, vous avez vu, hein, ça passe crème. Hein. Hop. On serre le premier. On serre le deuxième. Donc là, je vais prendre mon axe de 3. Et je viens redresser le tout. Voilà. Et là, pareil. On serre le premier. Et le deuxième. Après que j'ai coupé les pattes, bien sûr, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Hop là. Et hop là. Voilà. Hop, on serre la première patte, voilà, la deuxième, et voilà, donc, je ramène ma deuxième patte, hop, je ramène le tout vers le centre, comme ceci, voilà, je vais regarder la hauteur si ça me plaît ou pas, on est presque bien, presque. On est pas mal, hein. Je dirais qu'on est pas mal. Hein. Un petit peu lever celui-là et ce serait bien. Hop là. Ouais, moi aussi, c'est ma première box. Voilà, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. Au niveau de l'alignement, je dirais que ça va aussi. Hein. Voilà, on se cale un bon petit truc sympa. Eh ben, on va mettre en route. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on allume la box.
au premier abord 0,08 ohms. Alors, ce que j'aime bien avec la Pico S, c'est qu'elle rôde très très bas. Ça, c'est classe. Donc, normalement, elle devrait tenir. Donc, là, je suis à 0,08 ohms. Voilà, donc, je viens chauffer tout doucement mes coils. Hein. Hop. Donc, on voit que ça chauffe tout doucement. Hein. On n'agresse pas, hein, on gratte tout doucement comme ça. Voilà. Hein. Vous allez voir que ça va se mettre tout seul en place. Et c'est là qu'on voit justement l'importance d'avoir un bon fil ou un fil de merde. Si vous avez un fil de merde, vous allez mettre 10 ans à l'éroder. Voilà. Tandis que si vous avez un bon fil, après une bonne chauffe, donc là je vais mettre direct à 40. Hein. Voilà. Regardez, hein, quand vous avez un bon fil, ça va tout seul. Voilà. Je vais me mettre dans le noir. Hein. On va éteindre la lumière. On va zoomer un petit coup. Hop, dans le noir. Voilà. Puissez voir un petit peu comment ça réagit. Voilà. Hein. Donc on a une belle réactivité et une belle chauffe, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ça fonctionne super bien. Donc je vais monter un petit peu, hein, histoire de 50 max, hein, histoire de voilà 50, c'est pas mal. Oh non, je peux même mettre à 60 là. Hop, 60, voilà, regardez à 60 ce que ça donne. Voilà. On est sur une chauffe qui est, je dirais, quasi simultanée. Voilà, vraiment quasi simultanée, la chauffe. Hein. Voilà, la chauffe, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est pas mal. Voilà, on a des cols qui réagissent bien, qui rougissent bien. Voilà, des vrais petits soleils. Donc voilà comment, une fois rodé, si vous avez un beau fil, voilà ce que ça doit faire. En très peu de temps, ça doit se roder facilement, normalement. Voilà, on ne met pas 20 minutes normalement à roder un coil. Hein. Si tu commences à mettre 20 minutes pour roder un fuse, c'est même pas la peine, oublie, hein, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer au plus près possible un petit peu à quoi ça ressemble. Alors normalement vous allez peut-être voir des défauts parce que j'en ai eu un petit peu rien à foutre. Hein. Vous avez vu, je l'ai plus bulle de la chie dedans, mais normalement ça devrait être pas mal dans l'ensemble. Regardez. Dans l'ensemble, ça devrait être propre. Voilà. Comme ça, vous voyez bien que il n'y a pas de. Malgré le fait que j'ai fait le couillon avec vous, voilà, il n'y a pas de défaut apparent. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est des fuses qui sont bien respectées. Il n'y a pas d'écart au niveau du clapton, c'est pas trop dégueulasse. Voilà, c'est ça va. C'est ce qu'on peut appeler un clapton bien fait. Voilà. Il n'y a pas non plus, c'est pas le clapton du roi Simba. Mais voilà, ça va, c'est bien. C'est comme ça que vous devriez être amené à faire. Si vous suivez bien ce que je vous ai dit, avec le bon écart, tranquille, vous allez tranquillement. Voilà. Ça sert à rien de tourner très vite dès le début, on va faire de la merde, hein, ça c'est sûr. Mais moi j'en ferai. Hein. Maintenant on va voir la valeur. Alors, on va retourner sur notre fameux calculateur, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc calculateur annonce 0,16 ohms. Hein. Donc avec du 5 tours. Donc hein, si je suis bien ce qui est marqué, hop, voilà. Hein. Nombre de fil 2, nombre de coil 2. On va voir ça. Donc 0,16 ohms. Alors, attention, sachant que là c'est encore un peu chaud. Il peut y avoir des variations. Mais pas d'énormes normalement. Bon par contre c'est vraiment chaud. Pour le coup, l'ato il est vraiment vraiment très chaud. Ouh. Hop là. Voilà, je vais dévisser. On va voir ça ensemble. Hop. Donc, je vous remontre en mode build là quand même. Pas que vous pensez que voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Le fuse, ouais, c'est vraiment la base. Donc, on est hein, sur notre fuse hein, que je vous ai montré, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va voir ensemble les valeurs. Hop, on avait dit 0,16 ohms. Hein, en sachant qu'il y a toujours des fluctuations au niveau de la. Ah, bah, vous voyez, 0,15 ohms, voilà. Voilà, donc comme le Dav Dav a dit, hein, good,
Voilà, on a une fluctuation de 0,01 ohm, c'est pas négatif, ça va, ça va. Ou on peut avoir le droit à une erreur jusqu'à 0,02. Ah, au-delà de ça, ça commence à devenir suspect. Voilà. Donc vous savez désormais que le site vous propose vraiment des valeurs sûres et claires et que ce sont des réelles valeurs que je vous ai montrées là en live directement. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, tout simplement. Hein. Je vous remontre hein. 0,15 ohms annoncé 0,16. C'est pas mal, on est dans la bonne tranche. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la réactivité en méca, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a un peu plus de réactivité que sur le twisted qu'on a fait tout à l'heure, qui avait un coef de chauffe dans le rouge. Donc, je me mets ça sur mon méca, même tube. Voilà. J'utilise un autre accu parce que ben, forcément, j'ai bombardé avec celui-là. Et mes accus sont tous chargés, hein, rangés dans la boîte. Voilà. C'est tous les mêmes. Hein. J'ai pas de, je ne triche pas. C'est toujours que des Samsung 20S que j'utilise pour bombarder parce que bah, j'aime bien ça. Même s'il y a peu d'autonomie en milliampères, la puissance elle est là. Donc voilà, c'est rangé par catégorie 20S 5, 3, 2, 1. Donc je prends la deuxième 3 que j'ai pris. Voilà, je la mets dedans. Voilà. Mais je ne l'imbrique pas pour l'instant parce que je vais cotonner. Donc petite leçon de cotonnage hein, en accéléré. Hop. Comme d'hab, on ne change pas de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Compte tenu de la longueur des pattes, il peut y avoir des fluctuations aussi. Si vous laissez des pattes, par exemple, à 7-8 mm, je dis des conneries, mais c'est vrai qu'il y en a qui abusent, des fois, ils font des sacrées longueurs. Vous pouvez avoir une petite variante qui peut arriver éventuellement. Voilà. Et aussi, si vous avez un problème au niveau du pin de votre râteau, s'il est mal serré, vous pouvez avoir des fluctuations et ça peut venir de là aussi. Donc faites attention que le pin de votre râteau soit bien serré. Important. Merci Moufette. Et un gros bisou à vous deux. Tu m'as compris. Hop. Ah, là je l'ai fait un peu trop serré, je l'ai senti direct. On va déligner un petit... voilà, juste ça, c'était en trop. Voilà. Là je suis bien. Voilà. Hop, on va couper ça pareil. On déligne. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Hein. C'est bien comme je t'ai appris, petit scarabée. Enfoiré, ouais. Fumier de poule. Voilà, hein. Je vais prendre mon coton, hop, on le met dedans, de la même manière que pour le Kali. Hein. Voilà, je déligne toujours mon coton, ça faut le savoir. Ça a sa petite importance au moment de l'installation. Voilà. Voilà. Moins ça fera un gros paquet et plus ça sera classe. Voilà, et vous devez obtenir des belles petites boules comme ça, comme une espèce de grosse coccinelle. Moi j'aime bien, ou alors un papillon, on peut appeler ça aussi. Voilà. Tout simplement. Voilà. Allez hop, l'instant tant attendu, les amis. Voilà. Voilà. On peut faire ça. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Et à la rigueur, on peut se mettre un petit coup de luminosité. Voilà. Voilà. Pour le plaisir de vos yeux, les amis. Pour le plaisir de vos yeux. Voilà. Ça, c'est pour vous. Doucement, doucement. On l'arrose avec douceur, voilà. Il faut caresser la résistance avec. Voilà, regarde. Tu vois? Il faut laisser le jus tout doucement pénétrer le coton. Voilà.
Tout simplement. C'est le moment Pornhub de la vape. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu tordu ce que je dis là, mais ouais, c'est ça. Hein. C'est le moment Pornhub de la vape. Là, il faudrait limite que je mette la musique de tu sais, le. Vous la connaissez la musique là, les gars? Allez, allez, faites pas semblant. Faites pas semblant. Le fameux. Voilà. Allez, 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 allez. Hey, j'ai eu une adolescence dure. Hein, d'accord? Alors vous me foutez la paix. Allez, c'est parti. Voyons ensemble l'effet du nouveau Myrlène. Ensemble. Voilà. Alors vous ne vous en rendez pas compte là parce que c'est à bout portant, mais je vais vous montrer en plein écran donc du coup. La réactivité. Voilà, donc j'appuie maintenant. Voilà. On voit vraiment que c'est plus important quand même que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, on était sur du Twisted 5 fils. Ça faisait de la vapeur pas mal, mais on sentait que c'était des petits... Voilà, on va dire que ça trissait par petits coups. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Je connais pas. Mais là, vraiment, voilà. On voit bien qu'il y a une... Vous voyez, ça s'échappe bien de chaque côté. C'est vraiment puissant. Juste par curiosité, Jimmy, tu mettrais quoi en coil sur la Aromamizer genre 0,25 ohms pour les deux coils? À 0,25 ohms, il y a moyen que tu trouves des transformers. Ouais. Un bon gros transformer là-dedans, ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà. C'est vraiment, tu vois, ça pète à rade. Hein. Ou alors du 3x26 6 tours en diamètre 3. Je sais que du 3x26 en 5 tours diamètre 3 mm, tu es à 0,20 ohms ou 21 ohms. Voilà, donc si tu rajoutes un tour, il y a moyen que tu montes à 0,23 ohms peut-être, 23-24. Donc ouais, je mettrai un truc comme ça dedans. Donc voilà, voyons voir ce que ça donne, hein, du coup. Vous allez vous rendre compte vraiment que, du coup, ça pète à rade. Voilà. Alors là, je viens de faire ça, c'est un goût de foin. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est la 100% VG. Et puis qu'elle est vieille, hein, la 100% VG, là, elle a quand même un an et demi. Ouais, elle a un an et demi exactement. Donc c'est de la 100% VG qui a step, on va dire, vraiment. Il n'y a pas de souci, je regarderai ça après, Bruno, sans problème. Donc voilà, voyons ce que ça va donner maintenant avec ça. Santé les amis. Hop, c'est parti. Donc, quelle différence j'ai? J'ai plus de sucre, j'ai plus de fraîcheur, forcément, hein, il est mieux conçu. J'ai plus de réactivité, ça fonctionne vraiment bien, ça bombarde. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Alors, non seulement c'est bien, mais en plus, voilà, je peux tirer des grosses barres puissantes. Regardez, je vais tirer une méga barre. Ce que j'appelle la méga barre. Regardez bien. Voilà, voilà.
Donc là, on est clair, hein, les amis, on est sur un fuse 2 fois 5 tours. Voilà. 2 fois 5 tours. Alors, je vais quand même checker la cul parce que le tube, il est quand même pas mal chaud. Ouais, la cul, il commence à être un peu chaud. Voilà. Bon, ouais, je tire en même temps des barres quand même de très très longues. Hein, c'est normal. Hein. Jean-Claude Van Damme. Elle est pas mal celle-là. Voilà. Par sécurité, je vois la cul qui chauffe un peu. Bon, c'est normal. Hein, je leur en mets plein la gueule. Et puis, il faut dire que mes accus, quand même, ont 1 an et demi. Commence à se faire vieux. Hein. Je change d'accu par sécurité. Normal. Hein. Et c'est reparti. Dry hit, enfin pas dry hit, j'ai mis une goutte. Ça arrive, ça arrive. Essayez de faire des barres comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que le salon, il est mort. Le salon, il est mort. Je viens de le tuer. Mon bureau, il est foutu. Il est plein de merde. Mais voilà. Vous voyez ce que ça peut envoyer un simple fuse 5 tours. Voilà. Simple. Efficace, très réactif, voilà. Hein. Et honnêtement, au niveau de la saveur, elle est superbe. Voilà. Vous n'êtes pas forcé de foutre de l'alien dedans. Comme je dis toujours, je suis toujours là à vous rabâcher avec les aliens. Mais un simple fuse, voilà. Hein, si vous n'avez pas non plus des 1000 et des 100 à claquer dans un coil, prenez simplement un fuse fait par un builder si possible. Pourquoi? Vous pouvez prendre de la bobine vie, c'est sûr, ça va marcher. Mais ça tiendra jamais aussi longtemps qu'un fuse fait par un builder maison. Voilà. Ou même, encore mieux, par vous-même. Voilà. Avec du bon fil, on peut faire des machins hallucinants. Voilà. Donc c'est pas un truc qui va coûter cher à faire. Et c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Voilà. Tout simplement. Ça fonctionne super bien. Et voilà les amis, simple, efficace. Alors, entre 6 et... Entièrement d'accord, entre 6 et 7 mois. Voilà. Non, franchement, ouais, ça fonctionne très très bien. Jean-Claude Convenant. Elle est pas mal, celle-là. Donc les amis, voilà. C'était notre fameux build explicatif. Hein. J'ai essayé de montrer... c'est pas du Demon Killer, c'est clair. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ce que je pouvais vous montrer... Pour vous faciliter la tâche au niveau du clapton. S'il y a des gens qui ont encore des difficultés, ne vous inquiétez pas, je vous passerai mon Discord ou au pire s'il y a moyen qu'un des modos mette mon Discord dessus, il m'ajoute en ami et quand j'ai du temps, vraiment je le fais. Si quelqu'un a un problème, n'hésite pas à m'écrire sur Discord, je réponds. Voilà, parce que je suis pas tout le temps sur Messenger, hein. Je suis dispo et il y a moyen que voilà, je passe. Même entre midi, pendant ma bouffe, tranquille, on se cale 20 minutes, 25 minutes, et je peux vous montrer un petit truc s'il y a vraiment besoin. Alors, certes, je vous le montre tant que je peux vous le montrer. Comme on dit, je suis pas à l'abri qu'un jour, j'ai tellement de taf que j'arrive plus à le faire, c'est possible. Voilà, je me le souhaite aussi, hein. Ça veut dire que voilà, c'est cool, il y a du taf à mort. Maintenant, voilà, si vous avez besoin quand même de coups de main, de petits coups de pouce, n'hésitez pas. Vous me contactez et quand je peux, honnêtement, je le fais. Je pense qu'il y a suffisamment de vapoteaux ici qui le savent. Quand ils m'envoient des messages, si je peux répondre, je réponds. Ça m'arrive de mettre des vents, mais c'est très rare. C'est vraiment quand j'ai zappé un message ou je l'ai vu, mais pendant la journée, j'ai remonté et j'ai oublié de répondre. Ça m'arrive, n'hésitez pas, renvoyez-moi un message. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? J'étais comme un gosse qui apprend. Merci de rien, avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live et n'hésitez pas de passer la semaine prochaine. Prenez les mêmes sections de fil, on va attaquer de l'alien ensemble pour ceux et celles que ça intéresse.
On va le faire ensemble. Je vous attendrai. On va tout faire de A à Z. Et la semaine prochaine, petit bonus, on va le faire via Discord. C'est-à-dire que si vous avez Discord et que vous avez le fil et le matos qu'il faut, on s'appelle sur Discord, on le fait ensemble. Voilà. Avis aux amateurs ou aux amatrices, d'accord? Vous venez, je m'occupe de tout, je vous montre comment on va procéder sur Discord, on va tout mettre en place. Ça va être un bon grand live, voilà, à peu près comme celui-ci. Vous avez vu, on a quand même toujours pas mal de temps ensemble. Et on va pouvoir en apprendre ensemble. Je prendrai mes guides, tout ce qu'il faut, et on sera super bien ensemble. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était super gentil hein, de vous avoir avec moi. Voilà. Je vous souhaite un très très bon week-end, une excellente soirée pour ce qu'il en reste du mois. Moi, je vais me taper le rangement du coup. C'est le meilleur ça à la fin quand tu dois tout ranger. Et du coup, ben, à très bientôt, à la semaine prochaine, du coup, hein, pour les lives du Journal de Potter en direct. Donc build spécial, on va dire. Classe de build, voilà, ça va être notre classe de build. Et puis ben je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Ok, allez, bye les amis, et puis j'ai envie de dire bonne vape, voilà, tout simplement. Une petite barre pour vous et je vous laisse.